Ah, le hockey. Vous vous souvenez de cette voix d'annonceur chaude d'annonce de Tim Horton du début des années 2000? Cette voix de grand-papa bienveillant, chocolat chaud à la main, dans les estrades en train d'encourager et qui, des fois, lâche un petit commentaire raciste qu'on n'a pas vu venir. Ah, le hockey. Des souvenirs d'enfance inoubliables. J'espère que vous allez bien, les amis. Je divague, j'ai passé beaucoup de temps à faire des voix parce que je sais pas s'il y en a qui l'ont reconnu la référence, mais oui, c'est une référence à une vieille annonce de Tim Horton, mais qui nous a inspiré, moi et Chucky Pellerino, dans la création des capsules pour Hockey Québec, que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, Les Zèbres des Glaces, tel un vieux documentaire radio-canadien est passé à date. Il y a également eu celle de Tim Horton. Et si vous écoutez l'épisode public, les quatre capsules sont sorties sur les réseaux sociaux. Allez voir ça. On s'est vraiment amusé, Chucky et moi, à écrire des affaires qui nous ont vraiment fait rire. On a même une référence au DVD d'Alex Kovalev dans un type de capsule. Et bien sûr, un hommage à Yvan Ponton, hein, notre cher Yvan Ponton, qui est d'ailleurs déjà passé au podcast il y a très longtemps dans la première saison de Dreadsul Tape. Et j'ai fait quelques plateaux de télé avec nul autre que Jocelyn Thibault, qui est directeur général de Hockey Québec, pour parler de cette campagne-là. Je me suis commencé à salut bonjour. Ça prenait bien des capsules pour du web pour que je me ramasse très tôt le matin à la télé avec Gino Chouinard et Paul Arcan également. J'étais Hockey 360 et je le salue parce que quelqu'un a pris un bon screenshot qui a mis dans le groupe Jofa pour alimenter les memes. Donc, ben oui, hein, allez hop. Mais oui, vous irez voir ça. Maintenant, on a eu beaucoup de plaisir, Chucky et moi, à écrire et réaliser ces capsules qui sont ultimement des sketchs sur le hockey. Puis ils m'ont pas demandé d'en parler ici. C'est moi qui en parle parce que je suis vraiment fier des sketchs. Je trouve qu'on a vraiment fait quelque chose de drôle puis de cool. Puis en plus, ben, ça m'a envoyé des messages aux gens complètement zouzou dans nos arénas parce que c'est ça le but, hein, c'est restaurer notre hockey, le nom de la campagne, et de un peu rire de certains comportements genre les parents crazy, les coachs trop intenses et autres énergumènes, parce qu'il faut pas se rappeler que le hockey à la base, c'est nice. C'est la petite variable humaine, des fois, qui vient un petit peu brouiller les cartes. Laissons les enfants jouer. Allez, vas-y Nathan, passe-la à Mathias, ou en fait, fais ce que tu veux. Ah, le hockey. Ça me donne envie de recommencer à fumer des bonnes du morier verte. Les enfants, c'est grasti. Prenez mon Krusty Burger. Alors aujourd'hui, ce qui m'amène, ce qui m'amène d'une certaine manière à l'épisode d'aujourd'hui avec Monsieur Claude Villegain, parce que quand j'ai fait les plateaux avec Jocelyn Thibault, on se faisait parler bien évidemment d'un incident duquel je n'étais même pas informé, d'un incident raciste qui a eu lieu dans l'hockey mineur en Outaouais, qui est arrivé il y a 2 ans mais qui s'est sorti récemment, et qui est un jeune là, qui s'est fait George Floyd genre par des coéquipiers. Je ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe dans cet univers. Est-ce qu'on vit dans une simulation malsaine? Ou bref, tout ça pour dire, l'épisode d'aujourd'hui avec Claude Villegain, qui est un gars de Québec, qui est né en Haïti et qui a joué dans la Ligue nationale de hockey, qui habite maintenant à Calgary. C'est une affaire qu'on discutait pendant le podcast de... C'est la seule fois qu'il se fait appeler pendant l'année pour des entrevues. C'est tout le temps au mois de février. Puis c'est pour ça que j'insistais pour mettre l'épisode dans la saison courante, de pas mettre l'épisode avec le joueur noir en février comme si c'est le seul mois où on devrait adresser le racisme dans l'année. C'est quand même lourd tout ça. Donc, parlons-en à l'année. Parlons-en tout le temps, que ce soit en février ou les 11 autres mois. Donc, voilà, c'est pour ça que je sors l'épisode maintenant, parce que ça me tente de sortir maintenant et que je trouve que c'est important. Puis en plus, l'affaire du timing avec la campagne Hockey Québec, avec ses talents d'Outaouais, ben allez hop, tu sais, tout ça s'aligne, les éléments s'alignent comme dans le film Le cinquième élément avec Bruce Willis. Vous irez voir ça pour les plus jeunes. Donc, c'est ce qui mène à l'épisode d'aujourd'hui. Claude Villegain, chic type, vraiment fin monsieur, que j'ai rencontré en personne à Calgary. C'est un gars qui habite à Calgary depuis un certain temps. Il a été beaucoup là-bas avec l'équipe nationale, puis avec sa femme, sa famille, tout ça, il s'est installé là-bas. Donc voilà, et j'ai été voir mon frère habite à Calgary. J'avais fait d'autres épisodes par le passé à Calgary. Martin Gélina,
Peut-être certains se rappellent, les fans plus vétérans de Dread the Tape, j'avais enregistré l'épisode dans une loge du Saddle Dome. Avec Martin Gélina, on entend en arrière des rondelles, c'était en fait Michael Backlund qui se préparait pour les championnats du monde senior à ce moment-là. Et Martin nous a fait faire le tour du Saddle Dome un peu décrépit. Là. Il est en processus de construire une nouvelle aréna. En tout cas, tout un truc de financement compliqué. Tout ça pour dire, les coachs Glenn Glotson, je pense, qui était là à l'époque, tout le monde était bien tranquille parce qu'on attendait des annonces. Et finalement, le lendemain, tombait le couperet de notre enregistrement et tous les coachs étaient renvoyés. Donc voilà, Martin Gélina, habite à Calgary, donc il reste dans l'entourage de l'équipe, là, tout ce qui est coach vidéo, tout ça, donc lui, il est encore là. Mais oui, drôle de timing à l'époque pour cela. Donc voilà, donc je pense que c'est le deuxième épisode de l'histoire de Dread the Tape que j'enregistre avec Claude Villegain. Je l'ai enregistré à la Bibliothèque centrale, qui est magnifique à Calgary. Je sais que les gens font beaucoup de jokes Calgary, tu sais, oui, il y a des coins un petit peu plus trash, tout ça, mais la Bibliothèque centrale est absolument magnifique, il y a des locaux là-dedans, architecturellement, voilà, je viens tout juste là d'apprendre à parler. C'est magnifique, c'est vraiment un endroit où tu es juste comme, ah, on est bien ici, et il y a des trucs pour là. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vendre la Bibliothèque centrale de Calgary, mais si vous êtes, écoutez, c'est si vous êtes à Calgary, vous êtes en recherche de repères, ou d'aller faire des trucs avec les enfants. Calgary, la Bibliothèque centrale, c'est super. Et il y a même des locaux qu'on peut réserver. Et c'est ce que j'ai fait pour rencontrer M. Claude Villegain. D'ailleurs, j'étais là d'avance et je préparais mes trucs. Mais je le voyais juste rôder. Il était là complètement d'avance. Donc, j'ai été parler. J'ai dit, on peut commencer maintenant, si tu veux. Puis il a dit, ah ben oui, moi, je suis bien relax. Donc, voilà, on s'est rencontrés le 31 août 2023 pour cet enregistrement. Parenthèse, s'il y a des gens dans l'Ouest canadien ou dans le reste du Canada qui nous écoutent, comment vous dire, ça se peut que je repasse à Calgary au printemps, peut-être sur scène, à suivre, je vous tiens au courant, là, c'est pas encore confirmé, mais il y a possibilité, je vous tiens au courant de cette aventure parallèle. Fin de la parenthèse. Et hop, retour à la voix, Tim Hortons, allez, un bon chocolat chaud, Carmen. Ça faisait longtemps que je voulais avoir Claude Villegain au podcast. Je trouve que c'est un gars qui incarne beaucoup de choses. C'est un gars il est moins connu des gens de mon âge, Claude Villegain, mais il a eu une carrière quand même formidable. Il a joué un petit peu en national, il a joué en Europe, mais il a un vécu très, très riche et je vais vous laisser découvrir tout ça. Tantôt, je parlais des capsules d'Hockey Québec. Si vous écoutez ceci sur Patreon, il y en a deux de sorties. Si vous écoutez ceci public le 27 novembre, elles sont toutes sorties. Vous n'avez qu'à aller voir sur les réseaux sociaux, que ce soit les miens, ceux d'Hockey Québec, pour voir ces petits sketchs qui, je le rappelle, ont été écrits avec Chucky Pellerino. Et voilà. Donc, check it out. Je pense que c'est pas mal ce qui complète le préambule pour Claude Villegain. Je termine en vous disant que si vous écoutez ceci public, donc dans la semaine du 27 novembre, c'est votre dernière chance de venir me voir le 1er décembre à Montréal. Je me suis arrangé pour que le billet soit à 20$ tout inclus. Là, maintenant, il y a tout le temps des frais, tout ça. 20$ tout inclus avec le code promo David20 au davidbocage.com, tous les billets. Donc, voilà, c'est ce qu'on a pu se permettre de faire avec le Théâtre Sainte-Catherine. Si vous écoutez ceci d'en dehors de la métropole, sachez que je serai de passage à Sherbrooke en février, Saint-Jean-sur-Richelieu également, L'Assomption, je m'en viens, Drummondville également, toutes ces villes en 2024. Ça tombe bien parce qu'on est juste avant Noël, des fois, cadeau de dernière minute, oups, qu'est-ce qui se glisse dans une petite carte? Des billets pour le Bocage, tout ça évidemment au davidbocage.com. Puis par le temps que j'enregistre, que ceci sorte, peut-être qu'il y a des nouvelles dates même qui sont sorties. Donc, c'est le cadeau idéal pour me voir roder mon spectacle qui s'intitule présentement c'est erreur, titre de rodage, mais qui va sortir en bonne et due forme à l'automne prochain. Mais vous voulez voir les warm-up, vous voulez voir les tirs dans le casse du goaler à des moments inappropriés. Je vous connais. Il me l'a envoyé dans l'oreille, j'ai une commotion. Parfait. Ça se passe en rodage, ces petits moments-là. Et qui sait, peut-être que Chucky s'en prend partie. C'est souvent le cas. Deux pour un, comme on dit. Vous avez le spectacle, vous riez, et après, hop, on prend Chucky par la nuque qui est bien lisse, là, et on lui demande des conseils agressifs pour son pool et qu'est-ce qu'il pense du développement de Seth Jarvis. Alors, je vous rappelle toutes ces dates et plus de jokes sur scène au davidbocage.com. Cadeau Noël idéal. OK, les amis, on est rendu à l'épisode avec
Claude Villegrain, je vous l'ai dit, je le rappelle, je l'ai rencontré le 31 août 2023 dans la ville de Calgary, Canada. Can you believe it? Allez, voici l'épisode avec, je l'ai dit comme Yvan Ponton dans 30 manches secondes. Allez! Excusez, puis c'est tout faire en même temps, trop d'émotions. Allez, on y va! Top 3! Allez. Allez, on y va! Épisode Claude Villegrain. Avec David Boncage. Quand tu dis Québec, quand tu dis tes parents Québec, moi, Haïti, tu voulais dire la ville de Québec? Ma soeur est à Montréal, hein, okay. C'est plus facile d'être à Montréal. Mais t'es à la base, toi, tu viens? Québec, c'est la ville de Québec, Charlebourg. Ah, oh, ouais. Oh, j'ai été élevé à Charlebourg. Parce que là, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, c'est-à-dire tout le monde en bas de 45. En bas de 60, peut-être. T'es le premier joueur à être né en Haïti à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Y en a-tu eu d'autres après, d'ailleurs? Parce que les autres gars que je connais d'origine haïtienne sont tous québécois. Oui, c'est juste... Je sais que ma soeur... ma fille, elle était un peu fâchée avec... Duclerc, quand il a commencé. Anthony Duclerc. Anthony Duclerc. Il a dit, ouais, je suis un des premiers Haïtiens qui a joué à la nationale. Dit, Mais il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Non, avant. Je ne sais pas comment il avait fait ça, là, mais. Georges Larac. Oui, mais ça, c'est. Il n'y a personne qui est né. Moi, je suis né là. Tu sais. Ah oui, c'est ça, exact. Tu sais, c'est tous des gars qui sont nés au Québec. Et puis, moi, mais quand je jouais dans le temps, là, je me souviens, la première. La première fois, j'ai signé avec les Canucks et puis la conférence de presse, j'étais avec Pat Quinn et Brian Burke. Et puis, la première question qu'ils m'ont demandé, là, un gars d'Haïti, tu sais, mais comment ça que tu joues au hockey? T'sais? Et puis, la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que moi, je suis né en bateau et puis, tout d'un coup, hey, il y a personne qui joue au soccer, moi, je joue au hockey. C'est ça. Comme c'est arrivé à la game en bateau avec le compas qui joue dans le tapis. C'est ça, en plus, le compas. Là, je me souviens, mon anglais n'était pas super bon. J'ai dit, ouais. Ben, quand j'ai commencé à jouer, quand j'étais sur la plage, j'avais pas envie de jouer au soccer. J'avais un cooler avec de la glace. J'ai mis. Et puis là, j'ai commencé à jouer avec des cannes en bambou, choses comme ça. ils ont-tu compris que c'était une joke? Oui, là, ils me regardaient. Commence à écrire. Prendre des notes. Ouais. Bambou. Ouais. Oh, ça, c'est une histoire. On a un bon show. Brian Burke est venu au podcast aussi. Brian Burke a lancé un livre il y a une couple d'années, lui aussi. Ouais, comment ça... tu l'as trouvé, Brian Burke, comme agent? J'ai signé mon contrat avec. Ils sont venus voir pratiquer avec l'équipe Canada. Puis moi, il y a New Jersey, puis. Minnesota, surtout Minnesota avec Lunani, puis Herb Brooks qui voulait être très intéressé. Puis j'aurais dû aller avec eux, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Pourquoi tu aurais dû aller avec eux? Ouais, parce qu'il y avait un coach. Et puis quand j'ai signé avec Vancouver, il n'y a pas de coach. Ah! Alors que Herb était coach? Oui, il était coach de l'équipe Minnesota. Donc Herb, qui est le fameux coach de Miracle on Ice, là, lui te voulait. Lui, il voulait, puis. Surtout mon style de jeu. Si tu demandes à tous mes amis, mes parents au Québec, ils vont dire ils peuvent pas croire que j'ai joué à l'international. Moi, là, quand j'ai vu jouer les Russes en 72, là, c'est ça que je voulais. Je voulais jouer comme les Russes. Ah, et ouais. Puis le monde disait, Claude, hein, il faudrait que tu sois un peu plus agressif. Blablabla. Ouais, mais moi, je jouais comme les Russes. Ça, j'étais pee-wee. Skills. Ouais. Skills. Puis Herb Brooks, il avait coaché l'équipe. En 80. L'équipe olympique américaine. Et puis, il a coaché contre les Russes, et Sidois, fait que c'est sûr que lui, il était beaucoup plus intéressé à moi. Et puis, même quand il est venu coacher, assistant coach à New Jersey, puis après ça, coach, là, lui, il venait toujours me voir, il était intéressé à moi. Mais Brian Burke... Pendant le camp qu'on avait ici, c'était juste un camp préparatoire, ils m'ont amené au keg. Et puis j'étais avec Brian Burke et eux autres, puis ils étaient très intéressés. Je ne sais pas si c'est Pat Quinn, il a pris une napkin, puis il a fait un 9 de 3 ans sur la napkin. Puis, fait qu'ils m'ont fait venir à, ils m'ont fait venir à,
comment ça s'appelle, Vancouver. Mm-hmm. Ils m'ont mis dans le Western Bay Shore. Je sais pas si tu connais. C'est juste sur ma chambre voyait l'océan puis le Stanley Park et l'aéroport. Ouais. Park. Ouais. Et puis McElarg et l'assistant coach, lui, il m'a fait promener partout puis manger le fruit de mer. C'était bon. Puis finalement, les deux, Brian Burke et puis Pat Quinn et leurs épouses allaient à un souper, puis ils m'ont demandé ce que je pensais, puis j'ai signé le contrat sur la BMW de Pat Quinn. L'opération séduction a fonctionné. Oui, mais j'adorais Vancouver, puis ma femme, elle vient du BC, elle vient de Castlegar, fait que je connaissais un peu le BC, puis j'ai dit, j'adorais Vancouver, puis tout ça, fait que j'ai signé là, mais... T'avais pas d'agent à l'époque? Bien, c'est... Ouais, oui, puis non. Oui, parce que Jules Lupien, c'était mon agent. Oui. Alors, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le fait que tu signes toi-même ton contrat, non, c'est à BM, j'étais comme... Ben, je sais bien, c'est... Jules Lupien... Oh non, c'était... Lupien était avec... Ben, j'ai jamais vraiment parlé à Gilles, mais j'étais avec Carrière. OK. J'ai oublié son nom. Puis Dave King, lui, il voulait négocier mon contrat. Puis il était pas content que j'avais un agent. Parce que ce qui arrive, c'est que si l'équipe nationale avait le contrôle sur moi, ça veut dire s'il décidait de me rappeler, et puis je pourrais manquer les Olympiques, choses comme ça. Fait que si moi, c'est Dave King s'en occupait, puis là, il voulait faire une clause que je jouais automatiquement aux Olympiques. Il pouvait pas venir me chercher. Fait que c'était ça. Puis moi, j'ai dit ça à Pat Quinn, et puis il dit, mais il faut que je joue aux Olympiques. Mais pour moi, c'était mon rêve. Là. Je venais juste de passer 2 ans à voyager autour du monde, et puis... Parce que là, on est en quelle année quand il t'approche? 80. J'ai joué en 86, 87. Ouais, 87. Et toi, tu sais que les Olympiques de 88 s'en viennent à Calgary? On se préparait, là. Fait que toi, dans le fond, c'était clair avec Pat Quinn que tu jouais aux Olympiques. Ouais. Il voulait pas te faire venir immédiatement. Oui, puis il fallait qu'il demande à Dave King. OK. Puis une couple de fois, il a demandé pour que j'aille jouer des matchs. Puis... OK. Et puis Dave King dit non. Non, on s'en va en Russie pour les diversioscopes. On s'en va ici, puis ça. Moi, j'étais correct avec ça, là, mais j'aurais aimé ça y aller, par contre, là, ça me tentait, tu sais. Mais tu voulais aussi faire le rêve olympique, j'imagine? Ah oui, ça, c'était important, le rêve olympique. Ouais. Parce que pendant les 2 années que j'étais là, avant que je signe avec les Canucks, comme je t'ai dit, Minnesota intéressé, Winnipeg, John Ferguson était super intéressé. Même avant tout ça, là, quand j'ai été... Je faisais juste l'essai de le try-out avec l'équipe Canada. J'étais pas sur l'équipe encore. Et puis, j'avais une invitation de l'Université de Moncton. Je jouais à l'Université de Moncton. Puis, j'ai une invitation justement au camp de New Jersey puis de Winnipeg. Puis, j'ai décidé d'aller à Winnipeg. Je voulais aller à Winnipeg. Puis, c'est John Ferguson avec qui j'étais en communication. Fait que, avec l'équipe Canada, j'ai été faire un tour. On a été jouer à Kiev. Et puis, on est revenu jouer en Allemagne. Et puis, à l'aéroport à Francfort, Dave King m'a dit, « Hey, Claude, je sais qu'en revenant, tu vas au camp des Jets. Mais si tu vas là, ben, tu perds ta chance de jouer aux Olympiques. » Et puis, il m'a convaincu. Là, et puis, finalement, j'ai dit, « OK, ben, je vais rester avec l'équipe Canada pour la saison. » Puis, ils m'ont contrat jusqu'à... Un contrat d'essai, dans le fond, jusqu'à Noël. Fait que, OK. On jouait des matchs en concours. On avait seulement 15-16 joueurs. On jouait des matchs en concours contre les équipes de... Ligue nationale. Et puis, on a joué un match contre les Jets de Winnipeg. Fait que là, moi, avant que j'aille m'habiller, je vais sur le bord de la glace pour faire préparer mes bâtons. Puis John Ferguson était là. Il dit, « Hey, Claude! » Parce que les Anglais, quand tu m'appelles, « Hey, Claude! » Et il dit, « Well, we've been waiting for you. Where were you? » Il dit, « Oh, Dave King didn't talk to you. » Et mon anglais était pas fort dans ce temps-là non plus. Et puis j'étais là, « John Ferguson. » Fait que lui, il s'attendait. Ils étaient vraiment intéressés, mais que ça. Tu voulais remplir le rêve olympique quand même avant. Ouais, c'était. Hey, tu sais, là, quand tu commences, là, puis on a été à Kiev.
On a été dans le temps, c'était Leningrad. Je pense que c'est Leningrad encore. Ça a changé à Saint-Pétersbourg, Leningrad. Puis en Allemagne. Et puis, j'ai voyagé partout au monde. Toute l'Europe. On a joué en Scandinavie, en Russie. Et puis, toutes les petites villes nord-américaines de hockey, puis canadiennes. Tu avais aussi beaucoup de... Il y avait beaucoup de joueurs sur l'équipe canadienne olympique sur laquelle tu as été en 88, qui est des noms qui vont peut-être dire de quoi aux gens. Zarly Zalapski, qui a joué pour les Canadiens. Ouais. Serge Boisvert. Ouais, Serge. Lui, il est scout pour les Canadiens. Ouais, je l'ai vu. Serge, l'année passée, il y avait l'équipe, le camp des U20 et U18, parce qu'il était là avec tous les scouts. C'est incroyable, tous les scouts étaient là. Puis moi, je travaillais un peu avec mon agent, fait que moi, j'étais là aussi. Et puis, c'est incroyable comment de scouts que je connais. Je les connais quasiment tous. J'ai joué contre, pour, mon coaché. Jouer avec. Et puis, Serge, on a du fun. Voyager l'Europe avec Serge, il est tellement drôle. Mm-hmm. Mais il a l'air d'un bon vivant à chaque fois. Ah oui, bon vivant. Je l'ai jamais vu fâché. Il y avait aussi un certain Andy Moog. Oui, Andy avait un problème de contrat avec les Oilers. Ah, c'est pour ça, parce qu'il jouait déjà à NHL. Oui, c'est pour ça qu'il est venu avec nous autres. Ouais. Il était-tu une coche au-dessus? Oui, il était bon, mais Sean Burke, c'était notre gardien numéro un. Ben oui, mais comment ça que Sean, il n'était pas encore dans NHL à ce moment-là? Non. OK. Non, Sean était avec nous autres. Fait que lui, il arrivait, tu sais, des Coupes Stanley, Andy Moog, puis il était quand même numéro 2. Oui, mais ce qui est arrivé, ce qu'il m'a dit, là, j'ai pu comprendre, c'est que là, ils ont signé un jeune gardien, comment il s'appelle? Ah oh, oui, Grant Fuhr. fait que Andy Moog était là avant Grant Fuhr. Oui. Ah, c'est ça, oui. Puis parce qu'après ça, il y a eu Bill Ranford aussi. Oui, c'est ça, ben, quand il est parti. Oui. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Il y avait lui, puis il y avait Randy Gregg. Okay. Randy Gregg est venu jouer avec nous autres aussi, je pense, c'est pas bien le contrat. Comment ça s'est passé, les Olympiques 88 pour l'équipe canadienne de hockey? Un peu décevant. C'était une année drôle. C'est la première année qu'on avait le droit aux joueurs professionnels. 88? Ouais. On avait le droit d'avoir des joueurs. Mais c'était en négociation. C'est ça, OK. C'était pas la Ligue nationale. C'était professionnel. Non, je veux dire, on pouvait aller chercher des joueurs de la Ligue américaine. OK, c'est ça. Ben, dans notre équipe, on avait beaucoup de joueurs de la Ligue américaine. C'est ça. Alors qu'avant, il fallait que ce soit amateur. Je pense que moi et un autre Québécois de cette île, Serge Roy, on était les deux vraiment les vrais amateurs. Là. Tous les autres gars. Parce que toi, t'arrivais à l'Université de Moncton. Ouais. Okay. Et puis, lui aussi, on jouait ensemble. Là. Et puis, notre équipe était puissante, là, à Moncton. Et puis, le reste des joueurs, ils ont été coupés, Ligue nationale. Et puis, les équipes nationales les ont envoyés. Mais on n'avait pas de gars vraiment de Ligue nationale. Mais ça, t'avais pas encore le droit. C'est juste que. Ouais, t'avais le droit. 98. Pour Nagano, c'est les premières. Que les équipes complètes. Ouais, exact. Ben, je pense qu'il y aurait quasiment pu faire ça. C'est Alan Ingelson qui contrôlait ça. Fait que, ah oui. Fait que là, nous autres, on a voyagé partout au monde. Puis, quand on est revenu de je sais pas trop où, là, mais on allait directement à Lake Placid deux semaines avant le camp, avant les Olympiques, pour rester loin de la pression, les médias, puis tout. Fait que quand on est arrivé à l'aéroport de Calgary pour aller au village, on voyait des couples de nos coéquipiers qui étaient dans le programme depuis 4 ans, ou bien 3 ans, qui parlaient à des Vikings en attendant les bagages. Mm-hmm. Fait que nous autres, on est montés sur l'autobus, puis on a vu ces gars-là monter dans un taxi. Le rêve olympique était fini, puis ça, c'était choquant pour nous, tu sais. Et puis... Oui, il avait été coupé, dans le fond. Il était coupé, ouais, puis... Tu sais, quand tu voyages à travers le monde, tu as toutes sortes d'histoires, d'aventures, puis tu te bats, tu représentes ton pays. Puis la chose que Dave Kane disait, c'est que qu'importe que tu sois 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut que tu montes une progression pour que quand tu arrives à ton summum, quand tu arrives aux Olympiques. Puis c'est comme ça, la plupart des. Même dans la Ligue nationale, c'est de la façon qu'on juge les players, les joueurs. Si un joueur joue de la même façon tout le temps, mais des fois, c'est bien. Si ça produit, c'est bien, et s'il produit, mais si c'est ça descend un peu, mais là, c'est le temps de le remplacer. Mm-hmm. Et puis là, ils regardent ceux qui font la progression dans les mineurs, par exemple. Et puis, c'est ça. Puis, comment ça s'est passé, votre tournoi olympique? Ah oui, c'est ça. on fait les parenthèses. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ben, moi, des fois, quand je pars, je suis parti. Je regarde, moi, c'est ma job de te ramener. C'est ça.
On revient. 88, Calgary. Bien, il y a plusieurs choses. On était au village et puis ils nous ont donné les Flames, ils ont envoyé Poplinski. Qui? Jim Poplinski. Okay, il jouait avec les... C'était un des... Et à la fin, il était le capitaine des Flames. Ah, oh, ouais. Je pense qu'il était capitaine à un certain moment. Puis... un petit boost. Ouais, mais c'était un gars, comme on dit, nord-sud, north and south, mm-hmm. Tombe le puck dans le fond, puis bang, bang, bang. Et puis, Tambellini, Tim Waters, des joueurs qui jouaient dans les estrades, qui jouaient même pas. Fait que moi, personnellement, il m'a mis sur une ligne avec Poplinski et au centre Tambellini. Et Tambellini... Jeff? Non, ça, c'est son fils. Oui, yeah, c'est ça. Souviens-toi, Gégé. Attends, c'est ça. Voyons, j'ai oublié. Steve. Steve, oui. C'est ça, parce que je mets... Ouais, Steve, Steve. Yeah, Steve, c'était sa dernière année de hockey. Puis, ça fait 20... Il avait pas joué les 20 derniers matchs. Et puis, Poplinski, lui, il a pas joué le premier match contre la Pologne parce qu'il jouait contre les Oilers. Puis, il est revenu, je pense qu'il s'est cassé un pouce, mais il a joué pareil. Fait que moi, tout d'un coup, là, on fait 2 ans qu'on a un système, puis pour moi, personnellement, ça m'a dérangé. J'avais pas assez l'expérience pour gérer ça. Puis, ouais. Et puis, pour l'équipe, ça a changé beaucoup. Là. On va au village, et puis on trois de nos équipiers, tout d'un coup, sont coupés. Et puis, la chimie a changé, puis... le match contre la Pologne, premier match, on a gagné 1-0. Et puis, la Pologne, ils faisaient la trappe devant leur filet. On pouvait pas rentrer dedans. On dominait. Fait, on a gagné pareil, puis on a gagné contre la France. Mais on a joué... après ça, on a perdu contre la Finlande, puis fait un match nul contre la Suède. Puis la façon que les Olympiques étaient formés, c'est... T'en allais dans les rondes éliminatoires mm-hmm. avec tes points. Ouais. Les points contre les équipes qui sont dans les playoffs. Ça veut dire, nous autres, les points contre la Pologne, la France, la Suisse, ça comptait pas parce que la Suède et puis la Finlande étaient avec nous autres. La Finlande nous a battu, fait qu'ils ont leurs 3 points. Puis on a fait un match nul avec la Suède, on a 1 point. Fait qu'on a commencé, la Finlande a commencé, ils ont fait match nul avec la Suède, fait que la Finlande a commencé avec 4 points, la Suède 2 points, nous autres 1 point. Fait que là, et puis dans notre pool de playoffs, c'était, on a joué contre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, on les a battus. Mais là, le dernier match, c'était contre la Russie. Fait qu'il fallait les battre pour avoir une chance d'une médaille. Et puis, ça n'a pas marché, on a fini 4e. Fait que ça aurait été différent si on recommençait à zéro là, dans les playoffs, mais ouais. On partait derrière la headball. Qu'est-ce qui s'est passé contre la Russie? Vous avez perdu? On a bien commencé, on manquait des chances et puis on a perdu 5-0. Puis je pense que ce qui est arrivé avec nous autres, c'est que on les a battus à leur propre tournoi à Noël, à Izvestia. Ça, c'était 3 mois après qu'ils avaient perdu contre... Team Canada, quand Mario a marqué là, le but. Là. Canada 87, le Canada Cup. C'est ça. 3 mois après, on les a joués sur leur terrain et on les a battus. C'est une grosse surprise. Hein. C'est le match de hockey. J'ai jamais travaillé autant, aussi fort. Mm-hmm. Et puis, tellement que les fans, ils sifflaient. Puis ils avaient même pas une ligne nationale canadienne. C'est qu'ils ont joué celle de la Russie parce qu'ils gagnent tout le temps. Et puis quand on a été à Lake Placid, on a joué des matchs en concours contre la Suède et puis la Russie. Puis là, on patinait avec eux autres. Et puis on a battu la Russie, tout ça. Fait que moi, je pense qu'il est arrivé que la Russie, OK, faut les prendre au sérieux maintenant. Là. Mm-hmm. Et ils jouaient défensif contre nous autres. Et ils jouaient même pas défensif contre l'équipe Canada professionnelle. Et puis, on ne pouvait pas rentrer. Puis c'est, tout d'un coup, c'est nous autres qu'il fallait qu'ils créent l'offensive. Et puis, à chaque fois qu'il y avait une chance, en transition, ils revenaient de l'autre côté. Fait que, c'est ça, on a fini 4e. C'est un peu décevant. Est-ce que, dans le fond, quand vous parlez contre la Russie, est-ce qu'il y avait un autre match après ça pour la médaille de bronze? Non, c'est juste c'est les juste points. C'est juste ça. Okay. Ça, on regardait les points. Ça finissait mais la Finlande a eu la médaille de, okay. D'argent, puis la Suède okay. La médaille. C'est vrai que tu disais jouer contre la France, parce que le dernier podcast que j'ai enregistré, c'était avec Paulin Bordelot. Ah, puis ouais. Il jouait pour la France. Pour
En 88? Oui. Parce qu'il y avait eu la citoyenneté. Il y avait Boson aussi. Exact, Tim. Ouais. Tim, le père de Philippe. Toi, t'es encore, encore les enfants, les grands-enfants. Parce que je pense qu'il y a différents âges ici. Je le sais que c'est le nom, mais vu que je mélange les noms, je dis le nom du fils, mais je pense au père. Ouais. Philippe Boson qui a joué pour les Blues. Ouais, bon, ouais. Tim a été repêché par les Canadiens. Oui. À l'époque. Oh, oui, oui, oui. C'était ça. Ben, je suis bon ami avec Philippe. On a joué contre en Suisse. Après, quand j'ai été en Suisse, j'ai joué beaucoup contre lui. Ouais. Ah oui. Repartons du début, parce qu'on est sorti du coq à l'âne, mais on a passé, puis c'est parfait comme ça. Mais on a parlé du fait que tu étais né en Haïti. Ah oui. Parle-moi un peu de ton arrivée au Canada. En quelle année tes parents, parce que toi, c'est vraiment première génération. Là. Bien, mon père, il a étudié à Québec, à l'Université Laval, 4 ans en agronomie et 3 ans. En économie. Donc, ça, c'était avant d'avoir des enfants. Oui. Et puis, lui, il voulait retourner en Haïti, puis aider son pays, tout ça. Et puis, je pense que lui, il voulait. Je sais qu'il voulait beaucoup aller travailler en Afrique. Et puis, je pense qu'il était à un symposium, je sais pas exactement les détails, là, mais il y avait des gens du Québec, puis on a dit, Alex, les gens avec ta qualité, ton expérience et connaissances seraient très bien pour le gouvernement à Québec. Puis mon père voulait essayer ça un peu. Là. Fait que il est venu, ben là, quand je suis né, il est venu avec moi et puis il a travaillé comme cadre au gouvernement du Québec. Et puis... Fait que t'es arrivé à quel âge? 18 mois, je pense. OK, fait que vraiment bébé. Oui, ouais, mais on retournait tout le temps en Haïti à chaque 3 ans, passait un mois après l'école. Un mois. Ouais, à l'été. Oui, quand il fait humide et chaud. et puis, c'est ça. On est arrivé là et puis... Fait que toi, t'es un gars de Québec. Oui, on était à Sainte-Foy. Et puis, mais j'ai commencé à jouer au hockey plus tard, j'avais 8 ans. Okay, parce que mes parents ne connaissaient pas ça. Puis je me souviens que on jouait dehors. Il n'y avait pas d'aréna à Charlebourg. On jouait dehors et puis... La première fois que j'étais à l'aréna, mes parents connaissaient pas ça, le hockey. Fait que, on nous a donné un maillot et des bas. J'avais des pantalons, des gants. Je suis arrivé là-bas et puis, j'avais pas de jambière. Mm. Et puis, ils ont dit à mes parents, mais Mme Villegrain, il a besoin de jambière. Là, je savais pas quoi faire. Fait que ma mère a pris des catalogues Sears. Dans le temps, ils étaient épais. Puis ça dans mes... surtout, j'en avais besoin parce que je tombais tout le temps. C'est ça. Ce qui est drôle, l'année d'après, là, quand je pouvais me tenir sur mes patins, là, je marquais des tas de buts. Puis j'étais... Naturel. Naturel. Dans tous les sports, j'étais naturel. Baseball, football, choses comme ça. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé à en grandissant? Tu sais, quelque chose, t'as besoin de quelque chose pour t'accrocher quand tu grandis? Oui. Mais bon moi, j'ai l'école, j'aurais été très bon si je faisais mes devoirs. Mais j'ai un gars 70%. Et puis les professeurs savaient que j'avais 90%. Mm-hmm. 70% parce que j'ai décidé d'étudier 10 minutes avant. T'étais dernière minute. Oui, dernière minute. C'est ça. Fait que. Non, mais tu sais, j'adorais le sport. Quand tu es arrivé à Québec, c'était en quelle année? 1964. 64? Oui, c'est en 64, je crois. T'sais, parce que mon frère est né à Sainte-Foy, okay. En 64. OK, parce que, tu sais, on fait des blagues comme souvent à Québec, tu sais, contrairement, parce que souvent, la communauté haïtienne a beaucoup été plus vers Montréal, tu sais. Mm-hmm. Fait que ton père est à Québec, ça m'intéressait parce que... Il n'y avait pas beaucoup d'haïtiens. Je sais pas. Il y avait son meilleur ami qui était là, puis deux de ses meilleurs amis qui étaient au Québec. Fait que on a grandi avec eux autres. Parce qu'il était à Québec aussi. Oui, mais quand on allait à Montréal, évidemment, la communauté était beaucoup plus grande. Ben oui. Mais la raison qu'on était à Québec, c'est parce que le job qu'il a eu, c'était au gouvernement, okay. Au Parlement de Québec. Au Parlement, c'était quoi exactement? C'est adjoint au cadre en agriculture. OK. Puis, dis-moi pas exactement. Non, c'est ce qu'il faisait. Je peux pas dire ce que mon père fait dans le gouvernement. Ouais, mais je sais qu'il avait gagné, je pense, 2 ans de suite, le plus bel homme du gouvernement. Là. Ah oui? Ton père, c'est un bel homme? Ouais, il nous l'a dit souvent. On le il nous l'a dit souvent. Mais non, mais c'est parce que lui, il prenait plus l'ascenseur parce qu'il y avait sa photo dans l'ascenseur. Ah, mon Dieu. Et puis, c'était trop. C'était trop, oui. C'était comment grandir? Parce qu'on fait des blagues à Québec, même encore aujourd'hui,
comparativement à Montréal, évidemment, c'est très francophone blanc, tu sais. Comme Calgary, anglophone blanc. Comme quoi? Calgary. Calgary, oui, exact, blanc. On est à Calgary. Grandir noir à Québec dans les années 60, c'était comment? Bien, c'est je ne sais pas comment dire ça. Les dernières années, surtout pendant la pandémie, puis les Black Lives Matter, et puis choses comme ça. Puis pendant la pandémie, j'ai eu la chance de m'asseoir et puis penser à ma carrière et puis penser à ma vie et puis penser à toutes sortes de choses. Et puis je sais que j'ai discuté beaucoup avec mon frère sur beaucoup de sujets. Et puis des fois, les choses qui arrivaient, moi j'ai toujours cru que c'était moi, mais soit que c'était... ça arrivait comme ça, mais plus que j'y repense et plus que j'avais pas vraiment de chance, ma couleur avait quelque chose à faire. Et puis, je sais que des fois ici, j'ai beaucoup d'amis ici, puis tout le monde veut que je sois dans leur équipe de hockey, et puis choses comme ça. Et puis, je peux être dans la chambre de hockey avec les gars, puis un gars qui sait pas que je suis là, puis peut-être m'a jamais vu, ça, il me connaissait pas, puis il fait une joke de noir, et puis il commence à faire la joke, puis il me voit, puis là, il change de sujet, tu sais. Il y a un nègre qui rentre, et puis c'est un nègre, il me voit, blablabla. Ça, ça t'est arrivé, ça? Ah, ça m'arrive tout le temps. Encore aujourd'hui? Ah, je m'annonce pas. Je peux compter toutes sortes d'histoires, là. Je peux être, là, sur le driving range, frapper ma balle, et puis je vois un homme et sa femme, d'enfant de 10 ans, qui viennent à côté, le tapis à côté, frapper des balles. Puis moi, je focus sur ma game. Et puis, j'écoute parler, puis je pense que ces gens-là venaient de cette île. Je connais quasiment toute leur histoire, j'ai écouté. Mm-hmm. Et moi, eux, ils pensent que je suis un Anglais noir. Je réagis pas à tout ce qu'ils disent. Et puis, le jeune, il peut pas frapper la balle. Lui, il va partout. Il sait pas comment frapper la balle comme du monde. Et puis le fils, il arrête pas de broyer. Je peux pas l'élever la balle. Puis là, je prends mon driver et puis je commence à frapper la balle. Puis à part, tu sais, je suis assez gros pour frapper la balle. Il me dit, hey, le gros nez, il tape en tabarnouche. Hein? Puis moi, je suis là. Et puis, tu sais, il parle, il se dit que je comprends pas l'anglais, tu sais, le français. Et puis là, il arrêtait pas. Puis là, je commençais à être énervé. Là. Mais je laissais aller. Et puis là, le petit jeune n'arrêtait pas de l'ornicher. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, moi, je sais pas ce que tu dois faire. Puis là, j'ai dit, garde ta tête en bas, bouge pas. Puis ça. Et puis là, il dit, oh, on parle français. Et puis là, tu vois, il commence à pédaler en arrière. Oh, on parle un bon français. Puis tu me parles ma vie à Québec. Là. Mm-hmm. Il dit, oh, parle bien français, d'où venez-vous? Ben, j'étais élevé à Québec. Ah, ben, d'où venez-vous? Vous avez bon français. Ouais. Est-ce que tu espérais que je parle au Gabonga? Ben, ça, tu me demandais à Québec comment c'était, mais c'était beaucoup de ça. Je parlais à quelqu'un au téléphone, et puis j'allais les rencontrer, et puis que ce soit une femme, un homme, il me regarde, il s'attendait pas à voir un noir. Surtout les Québécois haïtiens qui sont été élevés au Québec. Tu parles au téléphone, tu vois pas la différence. Mais non. Et puis, il dit, d'où venez-vous? Ben, Guillaume Mathieu. Oh, non, mais ben, la ville de Québec. Canada. Je continue. Je sais où ce que ça en va avec ça, mais non, d'où venez-vous? Puis là, je dis, ouais. Je suis en Haïti, blablabla. Oh, mais vous parlez bien le français. Wow. Haïti est français? Non, je crois que vous parlez bien français. Ben, OK. OK, ouais, je ne sais pas quoi dire. Ben, ce qu'il veut dire, c'est que tu parles comme nous. C'est ouais, ce qu'il veut dire. Ben, ce que tu dis, je peux compter des histoires. Là. Ce que tu viens de dire, c'est un peu ça. Je pourrais te compter des histoires avec les Anglais quand je joue au hockey. Et puis sur le banc, puis ils traitent un Québécois de l'autre équipe là, de frog et, ou bien un noir comme. J'ai oublié son nom. Là. Sale nègre, puis je dis, hey, je suis à côté de vous, les gars, puis c'est mes amis. Ah, oh, c'est tes coéquipiers qui étaient là? Coéquipiers, et puis là, moi, je suis là, et puis j'ai dit, hey, écoute, là, je suis à côté de toi. Ouais, mais toi, c'est pas pareil, toi, t'es comme nous, Claude.
Et tu, je me suis toujours demandé ce que ça veut dire d'être comme nous. Moi, je suis un joueur de hockey, on a les mêmes buts. Mais c'est ça, c'est un peu ça, Québec. Quand je sors de mon réseau de network, là, moi, je suis juste un autre noir. Puis, pour des gens, là, tourne là, traverse la rue ou des choses comme ça. Puis, des fois, ça arrive un peu, là, mais que ça. Grandissant, bien, quand je joue au hockey, bien. Moi, quand je joue au hockey, j'étais toujours un des meilleurs de l'équipe. Et c'est pas de me vanter, mais c'était ça. Et puis, on allait dans des tournois. Puis, chaque fois que je jouais au hockey, c'était tout le temps Blackie, ou bien Noiro, ou bien Saneg, ou toutes sortes de choses comme ça. Puis, on allait dans des tournois de hockey, puis tout le monde me regardait. Tu vois, je patinais autour de la patinoire, et on me pointait du doigt, là. Et puis moi, j'étais tellement gêné que j'allais jamais sur le bord de la bande pendant le réchauffement ou bien entre les sifflets, je restais entre les lignes. Parce que chaque fois que j'allais sur le bord de la glace, ouais, les gens me regardaient comme si je venais de la planète des singes, je sais pas trop. Là. Et puis c'était comme ça. Comment tu gérais ça plus jeune? Mais c'était pas facile. Mais moi, comme je te parlais de mon network, là, autour de mes amis, tout est bien. Mes amis sont mes amis, puis ils me connaissent, puis mm-hmm. je suis un des leurs, c'est quand je vais ailleurs, même en Suisse, avec mon équipe de hockey, tout ça, les gens autour, là, mais quand j'allais quelque part en Suisse, ou même dans la même ville que je vois, puis les gens, ils suivent pas le hockey, ils savent pas qui je suis, là. La façon qu'ils me servaient au coop, ou bien la femme, quelque chose comme ça, c'est comme si j'étais nuisance. Hein. Mm. Et puis, c'est ça. Puis, tu sais, on parle de ça, là, comme les athlètes à Boston, là, ils ont bien de la misère, les athlètes noirs, même s'ils sont les vedettes là-bas. C'est ça. Grandissant, moi, je me faisais tout le temps... Mais non, c'était mon parcours. Puis moi je voulais jouer comme les Russes, puis je voulais jouer un jour dans la nationale. Et puis, mm-hmm. et puis est-ce que tu avais des idoles? Y avait-tu des Noirs dans la nationale? Non. Ben, mon idole, c'est Guy Lafleur. Et puis Guy Lafleur, c'était mon idole. J'avais le numéro 10, je me souviens. Et puis moi, je voulais avoir les cheveux longs comme lui. Oui. Et puis dans ce temps-là, tous mes amis avaient le mallette comme Guy. Il y avait les tucs l'hiver et puis les cheveux en arrière. Puis moi, j'ai laissé pousser mes cheveux. Et la maudite tuque grossissait comme un gros champignon. Puis j'essayais de mes favoris. Là, j'essayais de tirer mes cheveux en arrière de la tuque. Là, pour que... Mais c'était mon idole. Et puis jusqu'à ce que il est venu, les Canadiens sont venus jouer un match de charité de softball. Et puis pas trop à Camado. Et puis moi, je voulais. Il y avait Six Shot, Langway, il y avait pas mal. Il y a à peu près six gars sur l'estrade à l'intérieur. Et puis moi, je voulais juste Guy. J'avais mon petit papy, je voulais juste Guy. Et puis quand je suis arrivé à Guy, puis Guy il me dit oh, sorry, buddy, je sais pas comment il a dit ça. I'm done, j'ai fini, puis il est parti. Puis moi, j'étais là avec mon petit papy. Oh. Et puis tous les gars, mes amis, t'en as pas eu, moi, regarde, j'ai Guy Lafleur. Et puis là, ça m'avait vraiment marqué. Mm-hmm. J'ai jamais demandé un autographe à qui que ce soit dans ma vie, jusqu'à ce que Jérôme, Jérôme McGinley. Ouais. Il a compté 51 buts une année ici. Ben puis ouais. Ma fille a commencé à jouer au hockey, puis elle avait numéro 12 comme Jérôme. Puis j'allais au match voir jouer ce match-là, ce dernier match de l'année, puis Jérôme essayait de compter 50 buts. Et puis j'ai mis ma fille au lit, et puis elle me dit Hey Daddy, Jérôme, ton ami, est-ce que tu peux lui demander un autographe? Parce que Jérôme, il parlait beaucoup de moi. Moi et Grant Fuhr, c'est les deux qui ont vu jouer. Puis il voulait être un gardien de but, puis après, il m'a vu jouer, là, il voulait être un avant. Puis, en tout cas, puis fait que je vais voir. C'est, donne-moi la petite casquette. Elle avait une petite casquette des Calgary Flames qu'elle avait gagnée, je sais pas trop. Fait que Jérôme, il compte c'est son 50e but. Puis, tu sais, quand ils ont After Hours, là. Ouais, après, à CBC, ouais. Ouais, fait que là, c'était sur la glace.
Et puis moi, avec ma passe, je peux aller en, près du vestiaire et tout, mais c'est, j'ai attendu longtemps. Et puis finalement, quand il sortait, le gars de Public Relations, ouais. Il me connaissait parce que j'avais joué contre lui à l'université, puis c'est un gardien que j'ai compté des millions de buts. Ça, il me connaissait. Des millions. Il me semble que c'était des millions. Ça aurait été des millions s'il n'y avait pas seulement 60 minutes. Et puis, Jérôme, il vient, puis là, il me reconnaît tout de suite, puis là, il me parle, et puis tout ça, puis j'ai dit, ma fille aimerait que tu signes ça, puis c'est la première fois que je demande un autographe, c'est à Jérôme. Mais tu parles d'idole noire, là. La première idole que j'ai vue, c'était Val James. Je connais pas, c'était-tu au hockey? C'est un gars de Chicago, je vois pour les Remparts de Québec, dans le temps de... Jean Savard. Mon Dieu. Okay. Ouais, mais je sais, c'est vieux. Non, mais Jean Savard, c'est, j'aurais pensé que tu as dit Jean Rattel ou. Junior. Okay, Jean junior. Rattel, t'es dans le National. OK, déjà, OK. Fait que moi, nous autres, j'allais à une école privée qui s'appelait Saint-Jean-Eudes, qui était l'autre côté du Colisée. OK. Pas trop à Camado. Et puis, on avait des billets pour 75 sous. Pour aller voir jouer les Remparts quand on voulait. Mm-hmm. Et puis, la première fois que j'ai été, là, je regarde, je vois un noir sur la glace. Et puis là, il patinait vite, fort. Il y avait des chiffres de 30 secondes. Je pense qu'il y avait 20 body checks. Et puis j'étais intéressé. Le seul autre noir que j'ai vu patiner, c'est mon frère, en plus jeune. Et puis j'ai été voir une couple de matchs. Mais ce qui m'énervait, là, c'est que... Entre les périodes, ou bien je marchais, tu sais, dans le temps où on disait on marchait autour, c'est de voir s'il y avait d'autres filles, chose de même. Ouais. Tout le temps, es-tu le frère à Val James? Puis là, c'était tellement fatigant, j'ai arrêté d'aller au hockey. Parce que tout le monde, est-ce que t'es le frère à Val James? Ah, c'était. Parce que c'était le seul référent que les gens avaient, fait qu'ils se disaient, je te parlais quand j'ai vu Serge Boisvert, le U20, là. Et puis il y avait un noir de l'Ontario qui jouait du Québec. De l'Ontario ou du Québec? Je pense que c'est du Québec. Il y avait un nom français, mais je pense que c'est un jeune qui était adopté, un noir. Et puis là, tout le monde disait, Is that your son? Non, c'est pas mon fils. Quand il dit, Is that your son? Ah, lequel? Numéro 6? Il dit, le numéro 8? C'est un blanc, là. Non. Numéro 9? Non. Non, the guy there, the number 6. Non, I don't have any son, I just have two daughters. T'as-tu recroisé Guy Lafleur par la suite? Oui. Ça, c'est... c'était quand ça? C'était peut-être il y a 5 ans, 6 ans. T'as un événement qui s'appelle Gordier and Friends. C'est Gordier, il vient, puis... Il y a un banquet la journée d'avant, puis le lendemain, puis le soir, il y a un repêchage, et puis les anciens, on va dans différentes équipes, puis les gens dépensent de l'argent. Fait que lui, Guy, était là comme invité, puis ils ont hot stove, là. Encore à CBC, ça aussi, non? C'était juste acquis ici à Calgary. Ah, OK. Un événement de charité. OK. Fait qu'il monte sur l'estrade avec les gars, Lanny McDonald, ces gars de même. Il y avait Guy, Michel Goulet, puis je sais pas qui d'autre qu'il y avait. Je pense qu'il y avait Yvan Cournoyer était là. Et puis là, il parlait surtout de la série finale de 89 quand les Calgary ont battu les Canadiens. Ouais. Mais après ça, j'ai été voir Guy et puis signer des autographes. Puis moi, j'avais un petit cahier là avec sa photo puis son histoire. Genre petit dépliant. Là, fait que j'ai dit, ouais, hey, je vais aller demander. Et puis je suis arrivé à lui et puis il dit, ah, et Claude. Il dit, Claude, il sait mon nom. Là, j'étais choqué. Puis là, j'ai conté l'histoire de ce qui est arrivé quand il avait 9 ans. Et genre, désolé, Claude, puis ça. Puis là, il signe. Et puis là, il m'écrit, il a signé, Claude, j'espère que c'est pas trop tard, mais voici 41 ans plus tard. Et puis la date, il savait la date. Je sais pas, peut-être parce qu'il m'a vu jouer, ou bien, c'est vrai que quand il est revenu jouer pour aller jouer pour les Quais Nordiques,
et des Rangers ont patiné sur la même patinoire. Ah. J'ai oublié cette partie-là. Là. Mais j'osais jamais aller le voir lui parler. Tu sais. À chaque fois qu'il y avait le puck, j'enlevais le puck. Je me vengeais, là, mais, mais il a écrit ça, et puis, tu sais, ça. En tout cas, c'est. Ça, j'ai oublié tout ça, là. Ça a réglé l'histoire. Oui, ça a réglé l'histoire. Parce que j'ai. Pendant le Black History Month, et puis, les gens voulaient que. Ils me demandent de venir parler dans des salles. Et puis, comme. Des salles, bah, les premières années, peut-être une vingtaine de personnes. Puis d'un coup, c'est 100, 200 personnes. Et puis, je savais jamais quoi te parler. Alors, j'ai décidé de parler de ma carrière un peu comme je te parle à toi. Là. Ouais. Et puis, quand je compte cette histoire-là, là, les femmes, ça pleure dans la salle. Mais non, c'est... Les gens pleurent. Ouais, les femmes, les pleurent parce qu'ils ont dit... Tu sais, ils essaient de s'imaginer, j'ai 9 ans, je veux juste guiller la fleur, j'ai mon petit afro sur la tête, j'ai mon petit papier, puis là, je bouge pas, mes amis rient de moi parce que j'ai pas eu guiller la fleur. Puis... Mais quand il est décédé dernièrement, là, mon téléphone, là, des textes, puis là, de Québec, de partout, puis les gens voulaient des interviews avant les funérailles, et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai pas réalisé que beaucoup de mes amis au Québec savaient que Guy Lafleur, c'était mon idole. J'ai jamais réalisé ça. J'ai tellement eu de textes. Ma mère, mon frère, mes soeurs, OK. Même mes filles, puis, OK. C'était si évident que ça. Moi, je savais pas. Mais... C'est cool que tu aies eu un closure, comme on dit en anglais, de pouvoir finir la chose en bon terme, surtout qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Ben, fait c'est ça, heureusement, puis, ça s'est fait. Ouais, ouais. Quand tu parlais de tantôt, ça m'a fait penser quand tu parlais de tourner autour des colisées en cherchant les filles. Comment ça se passait dans les relations? Tu sais, les gens n'étaient pas habitués de voir des noirs. Puis je te dis ça parce que j'ai un ami qui. Je parlais avec un collègue récemment qui m'a dit. Lui, il joue au football, ouais. Là de Montréal. Ouais. Un colosse et aussi d'origine haïtienne. Il est allé jouer au football en Beauce. Là, je te parle pas de 1965, je te parle des années 2010. Là, ouais, ouais. Pas longtemps. Ouais, ouais. Et il est arrivé en Beauce, puis là, il dit, écoute, en tout cas, là, j'ai dit, lui, il disait rien, mais j'ai dit, non, raconte-moi, tu sais. Puis ouais. Il avait vu dans l'œil à sa sœur quand il avait dit, ah, je pense que ça va être bon pour toi de vivre des expériences-là. Puis lui, je pense pas qu'il savait dans quoi il s'embarquait, tu sais. Puis il est arrivé en Beauce, puis est-ce qu'il me racontait des plein de petites affaires où il était comme, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi à l'épicerie, je comprends pas pourquoi la caissière, elle me regarde pas. Hein? Puis, il y a quelqu'un qui a fait remarquer, elle a peur de toi. La caissière, elle a peur de toi. Elle a pas vu beaucoup de personnes noires dans sa vie. Il me racontait des affaires, se faire arrêter par la police en auto. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, est-ce que tu parles de mon histoire? Ça t'est arrivé? Ben oui. De te faire arrêter en voiture. Oh, ben non, c'est ben, premièrement, les relations, c'est drôle. Je te parlais pendant la pandémie, je pensais à ma vie, puis je parlais beaucoup avec mon frère. Et puis on a dit la même chose. On avait la misère de trouver des copines. Et puis, il y en a qui étaient vraiment intéressés, mais ils disaient tous la même affaire. Ouais, s'il sort avec toi, mon frère va te tuer, mes frères vont te tuer, mon père va me tuer, chose de même. Puis, OK. Fait que, ça, on n'a jamais eu vraiment beaucoup de relations. À cause que tu étais noir, c'était ben, ça? Sûrement. C'était le non-dit, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est. Si tu regardes, être un homme noir, c'est pas facile. Je regarde mes amis et mes cousins aux États-Unis, là. Même les joueurs hockey avec qui j'ai joué qui sont noirs et puis qui habitent là, c'est que ben il y a des stéréotypes. Tu vois les shows comme Cops, c'est tout le temps les noirs, des hommes noirs qu'on arrête. Et c'est toujours on dirait que les gens voient que dans tous ces shows-là, que les hommes noirs, ils ont pas de. Ils s'occupent pas de leurs enfants, ou bien les mères sont seules. Puis tu vois quand les joueurs de basketball, ils ont pas de père, des choses comme ça. Puis, et puis il y en a qui, si tu viens d'une petite ville, et puis c'est seulement ça que tu connais, puis tu vois un noir, puis des fois je dis tout le temps, là, quand j'arrivais à un arrêt d'autobus, puis une femme était là, et puis là, elle me voyait arriver, je savais jamais si... Quand elle met sa main dans sa sacoche, elle veut sortir un pepper spray ou bien un rouge à lèvres. Ça fait que je savais jamais c'est qu'est-ce qui m'attendait là. Puis, wow. Il fallait tout. J'ai,
même dans ma, dans la business que je fais en ce moment, là, je m'annonce tout le temps comme une bonne personne, ou bien, je sens que je dois mettre la personne rapidement en confiance. Que je rentre dans une nouvelle équipe de hockey pour Ligue de bière, ou bien que je vais faire une présentation à des architectes. Tu sais, je suis un gros noir qui rentre et puis je sais pas à qui je fais affaire. Tu sais, comme je t'ai dit, peut-être la femme là, veut sortir un rouge à lèvres parce que, ou bien un pepper spray encore à peur que je l'attaque, mais. Mm-hmm. Mais tu sens encore cette... C'est là. Puis, je parlais des joueurs de football, des amis à moi. Puis, ils adorent Calgary, mais c'est pour ça que des fois, peut-être quand tu es à Montréal, c'est plus multiculturel. Mm-hmm. Donc, les gens sont plus habitués de voir des gens de plusieurs races. Mm-hmm. Et puis, je sais que moi... Bien, mon père m'a toujours dit, tu vis ici, c'est ta vie, il faut que tu gères du mieux que tu peux, puis avance dans la vie en sachant que il faut que tu sois le meilleur dans ce que tu fais, que tu sois honnête, tout ça, parce que tu sais jamais c'est qui va pas te laisser une chance. Mm-hmm. Il cherche une raison pour te mettre de côté. Mm-hmm. Grandissant, j'étais toujours le meilleur compteur. Et puis, je suis arrivé ma première année bantam, j'aurais été un des meilleurs joueurs encore. Puis, mon père voulait que je passe la tondeuse. Puis, on avait une grande cour, puis j'ai remarqué que j'allais être en retard. Et puis, dans ce temps-là, j'allais à l'aréna avec mon sac de hockey sur le dos, 20 minutes de marche, et puis je suis arrivé juste, c'était les essais, les tryouts, et puis désolé, puis ils m'ont coupé, juste de même. Coupé, c'est juste, c'est sûr que le GM, puis les coachs, leur fils était là-dedans, les amis, puis. Et puis après, ils ont essayé de me rappeler. Là. Quand ils me rappelaient, ils avaient besoin d'un joueur, mais là, je marquais des buts, puis ils voulaient. Ça m'est arrivé deux fois, deux années différentes, et puis. J'ai jamais voulu retourner. J'allais jouer des matchs pour les aider, mais parce que j'étais jamais une mauvaise personne. Mm-hmm. Comme je t'ai dit, tout le monde pense que j'étais trop gentil pour jouer au hockey. Je suis sûr que c'était plus facile. Et puis mes parents, ils allaient pas comme les parents d'aujourd'hui, même dans le temps, aller se plaindre et comment donnez-lui une chance. Puis c'était ça qui était ça à l'époque. Mais c'est ça qui était ça à l'époque. Mm-hmm. Et puis, quand tu parlais des blondes, tout ça, ça me faisait penser à... Blonde? non, j'ai pas de blonde. mais ça me faisait penser à Guess Who? C'était quoi le film avec Sidney Poitier, Guess Who's Coming to Dinner? Ça, je l'ai vu des millions de fois, ce livre-là. J'ai même un livre sur Sidney. Parce que ça, c'était le fameux film des années, je sais pas si c'est 60 ou 70, mais... 60. Où Sidney Poitier, qui était, pour ceux qui connaissent pas, un célèbre acteur américain, là, très connu, dans lequel il joue un gars dont justement la blonde l'amène à souper, ça s'appelait Guess Who's Coming. Je sais pas si c'est To Dinner ou For Dinner, mais bref. Là, Guess Who's Coming to Dinner. To Dinner, bon. Okay. Et, je l'ai vu souvent. Ouais, c'est ça. Mais c'est un film culte qui avait été un énorme succès, ouais. Puis qui adressait exactement ce dont tu parlais, la jeune fille blanche qui amène à ses parents. Mais ça, c'est aux États-Unis, là. Ouais. Ça, c'est encore pire. Puis... Est-ce que quand tu as voyagé et tu es allé jouer aux États-Unis, tu as senti la différence? Oui. Je sais pas pourquoi tu m'as demandé ça. Non, mais j'allais dire... On parlait du Québec et là, tu me parles des États-Unis. Ben, c'est parce que ton rire en dit long, mais je veux dire, moi, je l'ai pas vécu. Tu sais, je sais qu'on en parle, mais je l'ai pas vécu, fait que je peux pas... Oui, ben, je comprends ça. J'allais surtout quand j'étais dans les mineurs, là, j'allais jouer dans les petites villes américaines, mm-hmm. que ce soit Fort Wayne, Flint, Michigan, ça c'est mm-hmm. blue collar, Kentucky, il y avait des équipes là, puis si je monte sur la glace tout de suite, hein, et m'ensuie en anglais, il dit b-ball, b-ball, je sais pas qu'est-ce qu'il disait, il disait b-ball en voulant dire une expression, on veut dire basketball. Ouais. Il dit, yeah, go play basketball, b-ball. À chaque fois, je vois là. Puis moi, je faisais l'innocent. Je disais à mes amis, je veux pas être ball. Je dis, chaud. Un bald. Ben, je niaisais, là. Et puis, à chaque fois que je partais, parce que
À chaque fois que je partais, bien, il y en a un qui me criait, make sure you go at the back of the bus. You know? C'est moi. Et puis là, je dis, ouais, comment tu sais que moi, je joue aux cartes en arrière du bus, hein? Ben, c'est un autre niveau. Je me suis toujours dit que je me laisserais jamais descendre par ça. Mm-hmm. Ben, je pense qu'on n'a pas parlé de mon premier match junior. Quand j'ai joué junior, j'avais 17 ans. Puis c'était une surprise que j'ai fait à l'équipe. J'arrivais du dehors. Puis notre premier match, c'était contre les juniors de Montréal. On jouait à Laval. Toi, tu jouais pour les voisins de Laval. Les voisins de Laval. Ouais. Puis la moitié de l'aréna, c'était les fans de Laval. Et l'autre moitié, c'était les fans de Montréal. Et puis, ils annoncent l'équipe, accueillons nos voisins de Laval. Puis, là, j'embarque mon premier match junior majeur. Un crossover ici, crossover là. Je vois derrière le filet crossover, je suis pompé. Mes parents dans les estrades. J'arrive du côté de Montréal. Ça, boula, 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 go back to Africa. Taxi, taxi. Puis moi, the hell's going on? Puis, j'avais pas réalisé dans ce temps-là qu'il y avait beaucoup de chauffeurs haïtiens en taxi, mais tout le match, j'ai joué le pire match de ma carrière, ma vie. Et puis, je voulais même pas aller, quand j'étais l'ailier du bord de la bande, je disais à l'autre ailier d'aller sur le bord de la bande, mais tout le match. C'était un buzz. Puis, je me suis jamais senti si seul dans ma vie. Et puis là, ben, là, quand je suis sorti, ma mère était là avec mon père, et puis, ma mère était pas contente parce que j'avais mon veston, mon complet de graduation. Mm. Elle a pensé encore que je mettais mon linge en dessous de mon équipement de hockey. Mais en tout cas, finalement, ils sont retournés à Québec, puis moi, j'étais dans ma pension, puis j'étais directement dans le coin de ma chambre, dans le noir, toute la nuit, et puis je pouvais pas respirer. Et puis, il était 6h du matin, le soleil se levait, puis je me suis dit, OK, si tu veux être un joueur de hockey, il faut plus que ça arrive. Et puis, à chaque fois que j'étais joué au hockey, que ce soit ici, que ce soit en Suisse, en Allemagne, en Europe, c'est encore pire. J'ai jamais laissé ça me déranger. J'ai toujours joué mes meilleurs matchs. Il fallait que je joue mes meilleurs matchs. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. Tes parents, quand ils voyaient ça... C'est drôle, Georges Larac m'a demandé la même chose. Et puis, j'avais jamais réalisé ça parce que je leur ai jamais dit ces choses-là. Et puis, eux, à ce match-là, ils ont jamais remarqué, tu sais. Mm. Ils ont jamais remarqué. Ils étaient déjà nerveux, ils m'ont regardé jouer. Et puis, j'ai jamais dit à mes parents tout ce qui m'était arrivé. Et puis, même mon frère, j'ai presque jamais rien dit. Parce que quand je les voyais, je pensais pas à ça. Mm-hmm. Parce que c'était partie de ma, comme en anglais, part of my journey. Mm-hmm. C'est partie de mon parcours. Je suis un joueur de hockey qui est noir, francophone ici, qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec, qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, fait que j'avais 3 whammies contre moi. Et c'est dans le monde du hockey anglophone. Et puis, c'était mon parcours, il fallait que je gère ça. Si je faisais pas l'équipe, mais je sais, à chaque fois que je faisais pas une équipe, puis je savais que j'avais un bon camp, mm-hmm. Il dit, on pouvait jamais me donner une raison. Jamais, 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 jamais me donner une raison. On pouvait jamais me donner une raison. Et puis là, je le vois souvent dans des choses qui m'est arrivé dernièrement ici, que, encore une fois, là, on me donne pas une vraie raison quand j'ai fait un bon job. Ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a différentes personnalités qui, je sais pas, si t'as une business et puis tu veux engager un certain type de personne et puis tu fais pas vraiment, je peux comprendre ça, c'est comme ça que je devais gérer ma vie, tu sais. Fait que tes parents ont jamais, mettons tes parents, s'ils allaient devoir jouer dans l'hockey mineur, ils entendaient pas des choses? Non. Ou peut-être qu'ils te l'ont pas dit? Ouais, mais je pense qu'ils t'ont peut-être pas dit. Non, ils m'auraient dit des choses. Moi, j'ai toujours, des fois, je voulais me battre, là. Mais je me retenais parce que mon père, c'est un homme docile, chose comme ça. Puis on jouait un match midget. Et puis, le gars, tout. Moi, j'étais un gars, là. On me traitait noireau, on me faisait tomber, on me slashait les chevilles. Et puis, il y a des gars qui me font. Tu sais, j'étais le genre de joueur de hockey, là. Les gens me faisaient ça. Un gars me faisait ça toute la game.
Et puis d'un coup, là, on fait une collision, puis il tombe. Moi, j'étais le genre de gars, je l'ai aidé à se relever. Après qu'il m'a traité de noireau, de sanègue, et puis... on jouait midget. Et puis, je pense que c'était un point tournant aussi. J'étais midget de ma dernière année. Puis, un gars, j'en avais assez. Ça faisait 2 ans. Et puis là, j'ai laissé le gant, dropper les gants, puis je commence à frapper. J'aimais frapper un gars aussi fort que ça. Puis là, j'étais dans le vestiaire, et puis je me suis déshabillé, puis je voulais pas sortir. Mon père attendait. Je voulais pas sortir. Je pensais que là, quand je suis arrivé dans le foyer, je sais pas trop, là. Mm-hmm. Il me dit finalement. Finalement, je pensais finalement que j'arrivais. Ouais. Et non, finalement, tu t'es défendu. Tu dis, oh, OK. Je pensais que tu aurais été fâché. Mais... T'es pas fâché. Non, ça fait longtemps qu'il attendait ça. C'est pour ça que mon père, il n'a jamais compris comment j'ai pu jouer dans la Ligue nationale. Parce que j'étais bon joueur, mais mm-hmm. ben, dans ce temps-là, c'est... Tu sais, que si tu disais que tu voulais jouer contre les Russes, là, tes chances de le faire, là, ils sont pas ouais. Et c'est pour ça que mes amis, quand mes amis sont venus voir jouer contre les Nordiques, là, ils pouvaient pas croire que j'étais là. T'sais. Est-ce que tes parents, ou quand tu as joué dans la Ligue nationale, puis ça, pour tes parents là, qui partent d'Haïti, qui viennent au Québec, toi, tu commences à jouer à 8 ans, t'sais, c'est quand même un peu farfelu tout ça. Puis tu te rends dans la meilleure ligue au monde. Qu'est-ce que ça représentait pour tes parents? T'sais? Ben, ils étaient fiers. Mm-hmm. Ça n'a pas été facile parce que mon père, lui, l'université, c'est important. Et puis, la première année midget, notre équipe junior B, qui était le prochain step, l'équipe junior B à Charlebourg, ils pratiquaient les mercredis soirs à 11h, et puis leur game, c'est le jeudi soir à 10h30. Et puis, moi, j'allais en école au centre-ville, alors il fallait que je sois debout à 5h. Puis je dormais pas bien les soirs. Fait que mon père, il dit, commence à trouver un autre sport parce qu'après midget, tu joueras plus. Et puis, j'ai commencé à faire du ski avec mes amis, prendre des leçons de ski alpin. Fait que je jouais, puis j'ai arrêté d'aller voir les matchs des remparts. Et puis, de toute façon, les gars étaient tellement gros que, mm-hmm. que je ne pourrais jamais jouer dans cette ligue-là. Des joueurs avaient des barbes. C'est la dernière. Ouais. J'étais bantam, c'était la dernière image que j'avais du junior. Puis j'avais jamais été voir le game après ça. Et puis, ma dernière année, notre équipe est finie à 8e place, puis on commençait les playoffs contre l'équipe de première place qui était Lévis, puis Rock voisine était leur meilleur joueur. Oui. Lui était leur meilleur joueur, Rock. Et puis on avait un bon coach, puis j'ai joué mon meilleur hockey, puis on les a battus, puis on a gagné. Et puis moi, je pensais que c'était fini mon hockey, puis notre coach, il dit, ouais, on va au championnat provincial à Saint-Hyacinthe. Je dis, oh! OK. On avait un échange bilingue avec la Saskatchewan et puis moi je voulais y aller, mais j'ai pas pu y aller, j'ai décidé d'aller. Parce que je savais que j'aurais pu hockey. Et puis on a joué notre premier match contre Hull, puis on a perdu 9-0. Puis je me suis dit, oh, j'aurais pu être dans les foins là, en Saskatchewan m'amuser. Fait que les trois autres matchs, on les a gagnés en overtime. Puis moi, je jouais bien. C'était mon dernier tournoi de hockey. Et puis en finale, on jouait contre Hull, qui nous avait battu 9-0. Puis là, je regardais dans les estrades, des hommes avec des chapeaux parlaient à mon père, puis ils avaient l'air ennuyés. Ils pouvaient pas regarder le match. Et puis j'ai bien joué, et puis on a gagné, champion. Puis là, c'est là que j'ai été repêché 11e ronde. Je connaissais rien de ça. Mes amis m'ont dit, regarde dans le journal, t'as été repêché par Laval. C'est quoi repêché? Puis, je savais rien de ça. Mais je sais pas pourquoi je compte cette histoire-là. Parce qu'on parlait de qu'est-ce que ça présentait pour tes parents, je pense, que t'as joué dans la salle. Ben, juste pour aller jouer. Ben, c'est ça. Fait que là, le soir, j'arrive de l'école et puis je reçois un appel. Et puis, c'est la secrétaire de l'équipe de Laval. Elle dit, félicitations, t'as drafté. Mm-hmm. C'est la deuxième année du nouveau propriétaire. Puis,
et puis je vais t'en, j'ai besoin de ton adresse, ou chose comme ça. Puis je dis, moi, désolé, mais je peux pas aller jouer. J'ai l'école, et puis c'est Montréal, c'est loin. Et puis je raccroche. Puis là, je dis à mon père, il lisait le journal, puis je dis, hey, j'ai été repêché par. J'ai été repêché par Laval, et puis il me regarde, évidemment. Pouch! 10 pieds par-dessus la tête, comprenait pas ce que je disais. Mm-hmm. Là, le directeur général, il rappelle, puis il m'explique ce qui se passe. Puis, oui, mais je sais pas qu'ils vont conduire chaque jour 3 heures pour aller pratiquer, choses de même. Puis, l'école, c'est important, puis tout ça. Puis, il me dit, oh, cette année, c'est nouveau, les matchs sont en fin de semaine. À Laval, on joue les lundis soirs à la maison. Et puis, on te met à l'école au cégep Saint-Laurent, puis, et puis, t'as pas besoin de voyager, on va te trouver un endroit à rester, une pension. Puis là, je raccroche. Puis, j'ai dit ça à mon père, et puis, il savait pas de quoi je parlais. Puis, d'un coup, on reçoit un appel 3 jours après. C'était le propriétaire, le gérant, il venait à Québec. Puis, ils expliquaient à mon père que ce qu'il venait faire. Et puis, ils sont venus. Puis, je me souviens, ma mère était assise là. Puis, mon père. Et puis, entre-temps, mon père, lui, il demandait à tout le monde, c'est quoi le junior? C'est quoi? Puis, on lui disait, ah, c'est un meat market. Quand ton fils va avoir fini ici, il va pomper l'huile, pomper l'essence chez Ultramar. Et puis, là, ça faisait peur à mon père. Mon père, c'est université. Fait que ma mère, à chaque 2 minutes, qui disait quelque chose. Puis, l'école. Puis l'école. Et puis, mon frère, il dit, oui, vas-y, Claude. Il poussait pour que j'y aille. Ma mère l'a amené dans une chambre. Et puis, finalement, là, c'était à 3-4 heures. Puis, c'était la deuxième année. Ils avaient fini dernier. Et puis, là, ils voulaient rebâtir l'équipe. Et puis, ils voulaient vraiment que je vienne. C'était un choix de 11e ronde. Et puis, finalement, ils ont dit, viens au camp. Viens au camp au mois d'août. Pré-camp, là. Et puis après, prenant une décision. Mm. Entre-temps, les gens me disaient à mon père, vous, M. Villegrain, les Noirs, vous avez les chevilles faibles, ils ne pourront jamais faire la nationale. Puis mon père a dit... Quoi? c'est... Au Québec, il y avait quelque chose qui disait que les Noirs avaient les chevilles faibles. Mais mon père, il dit... Ouais, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est ça que je te dis. Moi, je l'ai entendu... Les chevilles faibles. Oui, parce que petite cheville. Même mes chevilles sont pas énormes. Mais mon père, il dit, il joue au football, il joue au soccer, il joue au basketball. C'est quoi l'histoire? Fait que, c'est pour ça qu'il m'a laissé aller au pré-camp. Et puis, je suis arrivé là-bas. Et puis, juste avant d'arriver là-bas, je me suis un peu craqué la cheville en jouant au baseball. Fait que, je suis arrivé là. Avec une cheville. Alors, ça a bien été, même si j'ai mal à la cheville. Et puis... Je travaillais au Château Frontenac et puis mon frère m'appelle. Il dit, ils sont ici, ils ont des bâtons, des patins. Puis je dis, de quoi tu parles? Fait que je suis parti au Château Frontenac, je suis arrivé. Tu voyais mon père, il n'avait pas l'air content. Là, il voulait me signer, puis mon père devait signer. Mm-hmm. Papy, j'avais 17 ans, puis ils avaient des bâtons, des patins. Et puis ma mère, elle est partie, elle ne voulait plus rien savoir. Et puis la première fois que j'étais venu, je disais rien, mais là, je voulais vraiment. Puis, puis mon père, quand il est fâché, là, il essaie de sacrer en québécois. Maudit Chris! Puis il a signé. puis il m'a pas parlé pendant 2 semaines. Puis, Tantôt, on parlait de ça. À la maison, à Québec, tu parlais quelle langue? Français. Ah, c'est ça, c'était pas créole. Oh, mes parents nous parlent en créole. Oui. Ouais, français, créole, les deux, là. Mais je comprends très bien le créole parce qu'ils nous parlent en créole, surtout quand ils étaient fâchés. Mais tu répondais en français, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je peux parler créole, mais si je fais des trop longues phrases, ça switch en français. Ouais, c'est ça. Mais, comme tes enfants avec le français puis l'anglais, dans le fond. Oui, mais si je passerais d'un mois en Haïti, ben là, je pourrais parler créole. Mm-hmm. Te remettre dans le bain. Ben, tu as été repêché par la Ligue nationale par les Red Wings de Détroit en 6e ronde, équipe pour laquelle tu joueras finalement jamais. Tu vas signer avec les Canucks, comme on le sait, avec Pat Quinn. Tu vas terminer quelques matchs avec les Flyers, mais tu vas surtout passer, les gens quand ils pensent à Claude Villegrain, ils passent à l'uniforme des Devils. Ouais. Tu vas jouer là le plus clair de ton temps. Tu vas jouer avec des gars comme Kirk Muller, Brandon Shanahan, Slava Fetisov, les Russes, toi qui capotais tant ces Russes. Ouais. Est-ce que tu as parlé à Fetisov? Est-ce que tu as joué avec? Premièrement,
quand j'étais repêché, je pensais que j'allais faire les nationales. Tout de suite. Et puis, ça, c'est... À 18 ans. 18 ans. Pendant tout l'été, là, j'étais invité dans des événements de charité, comme softball, jouer contre les... comment ils s'appellent? Les chevaliers. Comment ils s'appellent? Les ouais. chevaliers. Ouais, je vais être quatre joueurs. Dans ouais, la... ouais, ouais. Et puis, là, je regardais les voitures, la Datsun 280, et puis rouge et gris, parfait. J'arrive au camp à Laval, et puis... le camp va bien, puis... Excuse-moi. Puis là, les gars qui ont été repêchés, ils partaient à les camps. Puis là, je demandais à mon agent, hey, c'est quand je reçois ma lettre pour aller à Détroit? Et puis, bientôt. Puis mon capitaine à l'époque, Yves Courteau, lui, a été repêché aussi à Détroit, deuxième choix. Et puis lui, il partait. Puis finalement, j'appelle mon agent, puis il me dit la vérité. Parce que mon père, il l'a appelé, puis il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Et puis il dit, oui, ils ont vendu l'équipe. Il y a trop de joueurs dans la... Illich venait juste d'acheter l'équipe. Mm. Et puis ils avaient 50 joueurs dans les mineurs. C'était trop. Ils invitaient pas tout le monde. Et puis là, je pensais que c'est la deuxième fois que je pouvais pas respirer. Là, que je devais aller à un match de hockey. Ça m'a pris du temps. Je suis en retard au match parce que je pouvais pas respirer. Et puis... Je pensais que ta carrière était finie. Oui, mais c'est Mario, Jean-Jacques Daigneault, leurs parents, ils me ramassaient à Ville-Saint-Laurent pour aller au match avec Michel Mongeau. Et puis là, ils sont venus, je les entendais cogner à la porte, là, et puis je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas me lever. Et puis finalement, j'ai pris du métro puis deux, trois autobus pour me rendre au hockey. Là. Mm. Mais j'ai... ça m'a... Ça m'a fait mal. C'est pour ça que j'ai été à l'Université de Moncton. Et puis, finalement, ben, jouer avec les Russes, c'était assez spécial parce que j'ai joué beaucoup contre eux avec l'équipe nationale. Puis, on a beaucoup de bagarres. Puis, moi, je comprenais la façon qu'ils jouaient. Et puis, eux, quand ils sont arrivés, ils ont eu un temps difficile. Kazatonov, mm-hmm. Fetisov. Les gars comme Dale Hunter, là, Go Back Home, Call Me. Et puis, là, ils redisaient ça. Ah oui. Et puis, ils se faisaient frapper tout le temps. Puis eux, ils avaient beaucoup de la misère avec notre style de jeu, le nord-américain. Tu reçois une passe, tu la lances dans le fond. Ouais. Celui, tu faisais une passe, puis ils sautaient dans le jeu. Mais quand ils jouaient avec moi, ben ils savaient que s'ils se démarquaient, ils allaient leur avoir. Puis ils savaient que si j'avais pas de jeu, j'allais retourner en arrière à eux. Et puis je jouais avec Claude Lemieux, puis Peter Stachny. Et puis, j'étais un peu le seul gars dans l'organisation à l'époque qui pouvait jouer qu'on appelle le short game. Ça faisait des petites passes, comme il faisait avec ses frères, puis les Russes. Puis quand les Russes, ils venaient tard dans la zone, je pouvais les trouver. Mais à part de ça, ils avaient beaucoup de difficultés quand ils jouaient, tous les gars autour d'eux jouaient le style nord-américain. Puis, est-ce que tu as dit, toi, que c'était tes idoles, les Russes, tout ça? Bon, ça? Les idoles. Ben, j'ai pas dit que c'était les idoles. au début, ils parlaient pas beaucoup l'anglais. Mm-hmm. Et puis, je sais que j'ai parlé beaucoup à Peter Stachny. Ben, tu étais un gars de Québec, en plus. Ouais. Puis, je m'entraînais au Nautilus avec les frères Stachny, et puis, à Québec. Et puis, j'ai été jouer un tournoi en Suisse avec eux dans une équipe, en tout cas. Mais les Russes, je connaissais pas vraiment. Puis... Tu te souviens-tu la première fois que tu es allé parler à Peter Stachny? C'est la première fois que j'ai dû parler. Les trois étaient au gym. Et puis, ça, c'était avant que tu joues dans les nationales? Oui. Okay. J'étais repêché. Non, je me préparais d'aller dans les... Okay. Ouais, essayer de faire l'équipe l'hiver. Là. Okay. Dans le temps, c'était Vancouver et New Jersey. Okay. Et puis, il y avait un programme qu'on avait au Nautilus. Et puis, Anton et Marianne, eux, sont partis jouer en Suisse. Fait que Peter était en Suisse, tu pars au mois d'août. Fait que Peter était là. Fait que je m'entraînais avec lui un peu. Et puis, ça, c'était un autre niveau d'entraînement, là. On avait le même programme, mais lui, tout était noté. Quand il faisait 45 setups, c'est comment qu'il se sentait. Moi, je faisais 45 vite, puis c'était fini. Non, c'est... Tu parlais en quelle langue? En français. Il parlait bien français? Oui, c'est pour dire français. Anton, il parle bien le français. Ouais. Marianne, un peu moins. Mais peut-être plus. Marianne, il est resté à Québec, là, lui. Oui, oui, c'est moi. Je pense qu'il... Dans le temps, là, mais c'est... Parce que, tu sais, c'était quand même... Toi, t'as grandi dans les années Stachny, là. C'est ça, quand il est arrivé au Québec, mais... Oui.
On jouait notre premier match qu'on jouait contre les Canadiens quand après que Stéphane a été échangé. Stéphane Richer qui a été échangé à New Jersey. Et puis moi, c'est moi qui m'occupais de Stéphane. Puis l'autobus, ça nous laissait trois blocs du forum. Puis on marchait derrière les allées, puis on rentrait par la porte d'en arrière pour pas que les fans attendaient Stéphane. Puis, et puis Claude, Peter Stachny, c'est le co-chambreur à Claude Lemieux. Claude Lemieux et Peter Stachny. Et puis Stéphane, c'est mon co-chambreur. Puis pour ces deux jours-là, on a changé. Fait que moi, j'étais avec Peter. Fait que j'avais été super avec Stéphane dans un endroit privé. On allait toujours dans les endroits privés parce que il voulait la paix. Là. Quand je retournais à l'hôtel, il était à peu près 7 heures du soir et puis c'était, la lumière était fermée, pas de télévision. Et puis Peter, il priait. Je pense qu'il a prié pendant une heure. Puis moi, j'étais dans le lit, je savais pas quoi faire. Puis, finalement, il a fini de prier, puis il me dit salut, choses comme ça. Puis il m'a conté l'histoire. Il m'a conté l'histoire de son la défection puis tout. Wow. Ça, c'était incroyable. C'est incroyable. Puis c'est tout un autre respect. Là, puis, mais ça, c'était... Et puis je jouais avec lui sur la même ligne. Fait que, ça, c'était cool. C'était un grand pratiquant là, au niveau religieux. Ouais. Peut-être. Ouais. Ah ouais, c'était... Il priait, était à genoux, je le voyais. Tu sais, les deux lits sont là, puis je voyais son dos, puis je sais pas ce qu'il disait, mais une heure de temps, je sais même pas quand il avait commencé. Tout est arrivé pendant. Ouais, et puis moi, j'osais pas allumer la télé. Le déranger. C'est quand même incroyable de voir partager avec lui, lui qui te raconte de la bouche de Peter Stachny, son histoire. C'est une histoire. C'était des drôles d'années aussi, parce que Stéphane Richer avait été changé par Serge Savard. Mm-hmm. Puis à l'époque, on connaissait pas ça, mais tu sais, dans les dernières années, quand il parle de son histoire, Stéphane, il a dit qu'il était en dépression, tu sais, puis il y avait des... Ouais, je savais pas non plus. Personne ne parlait de ça à l'époque, tu sais. Non. Puis sans savoir, c'est le gars, moi, t'es changé ailleurs, ça va t'aider, tu sais, mais on savait pas que... Ben non. Comme dirait, je me souviens qu'il disait, André Sauvé, il disait, tu mets un ananas dans un avion, il arrive l'autre bord, c'est encore un ananas, tu sais. Dans le sens que, tu sais, c'est... Puis, mais est-ce que, tu sais, à l'époque, est-ce que tu as un souvenir de, tu sais, Stéphane... Le fait qu'on n'avait pas l'information qu'on a aujourd'hui pour parler de santé mentale, de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous vous souvenez de ça un peu? Ben, Stéphane s'entendait bien. On était ensemble sur la route, là, tous les matchs sur la route. Et puis, on jasait beaucoup. Puis, l'autre co-chambreur qu'il y avait avec les Canadiens, c'était Guy Carbonneau. Puis, on comptait des histoires. Puis, et puis, il y a toujours des histoires à compter. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est dans son registre? Oui, c'est ça. Non, mais... Mais Claude... Mais lui, je pense que ça lui a fait du bien arriver à New Jersey. Fait que pendant le camp d'entraînement, je m'occupais de lui, puis... Puis, parlant d'histoire, Claude Lemieux aussi qui était là? Oui, mais Claude est arrivé de... Il arrivait d'où, Claude? Il était-tu à... Un Canadien, oui. Canadien? T'es changé pour... Canadien? OK. Lui, t'es changé pour... Sylvain Turgeon et puis Stéphane était échangé pour Kirk Muller. C'est ça? Moi, je pense que c'est Kirk Muller. En tout cas, ces deux sont partis. J'ai oublié c'est qui l'échange, là. Oui. Je pense que c'est Kirk. Puis, ça, Claude, c'est tout un personnage quand même. Oui. Il aime chanter. Ah oui? Oh, il chantait les chansons de Céline Dion. Ah oui? Quand Céline Dion, là, il mettait ça, il montait le volume, puis il était assis à côté de Scott Stevens, puis il le regardait avec des yeux mitraillettes. Là. C'était quelle chanson? Toutes les chansons en français. En français? Pas en les anglaises, les françaises. Lui, il chantait, et puis... C'est drôle. Mais je m'entendais bien avec. C'est vraiment intense. Sérieux. Sérieux comme joueur de hockey. Puis... Parlant des Devils, qui était le premier babysitter de ta fille? On t'a entendu pas ça? C'est Martin Brodeur. Ben, je l'ai vu justement au mois d'avril. J'avais été invité par la Ligue nationale pour travailler avec eux pour choses de diversité. Puis les Devils jouaient contre les Rangers. Fait que j'ai été voir un match dans la boîte des alumni, puis j'ai regardé le match avec. Mais lui... Il était comment comme babysitter, Martin? Ben, je voulais juste avoir ma plus vieille, puis elle avait quelques mois, puis on n'avait pas fait grand-chose. J'ai emmené l'équipe en arbitrage, et puis... On n'avait pas encore fait la...
l'arbitrage. Et puis, Lou, pour s'envoyer un message, m'a envoyé dans la filiale Utica, New York. Mm. Et puis, on était le seul couple, toutes des jeunes, peut-être des jeunes copines, choses comme ça. Fait que Martin, l'année d'avant, il était venu, je l'ai invité souvent à dîner, souper. Et puis, fait que, il habitait dans le même complexe que nous autres. Et puis, lui et sa copine, ben, il surveillait Ashley pendant qu'on allait peut-être manger, tu vois. Mm-hmm. Que... Ça s'est bien passé? Oui. Il n'a pas échappé? Non. En tout cas, il ne te l'a pas dit. Oui, je pense qu'elle est bien grondée. Puis finalement, avec Lou, est-ce que ça s'est réglé avec Lou Lamoriello? Ou est-ce que le pire temps de ma vie. Il changeait les dates. Avant le camp d'entraînement, on devait se rencontrer un repêchage à Québec et puis on a eu un conference call et puis l'arbitre a dit OK, on va changer la date. 5 fois, j'achetais des billets d'avion. New York 2 fois, finalement, on était à Chicago. Puis pendant ce temps-là, il m'a envoyé dans les mineurs à Utica et puis mes beaux-parents venaient nous visiter, fait qu'ils savaient qu'ils venaient, fait que ils m'ont envoyé à Cincinnati, puis là j'ai dit OK, ma famille vient à Cincinnati, fait que quand ma famille arrive, ils me font un rappel à New Jersey et puis là ils me renvoient et puis ils faisaient tout pour m'écœurer, puis la séance a duré 9 heures finalement, puis leur avocat était bon, parce que moi, c'était un cas important parce que j'étais dans les mineurs. Puis si j'aurais gagné, ça aurait chambardé bien des choses. Les gars qui sont dans le national, mm-hmm. ont dit, hey, regarde. Parce que dans ce temps-là, moi, je demandais 355 000, qui est rien maintenant, ça a l'air. Et puis, Lou me donnait 200. Et puis, avec 5 ans dans les mineurs, ça a commencé comme ça. Puis, finalement, j'ai eu 255, mais... NHL, mais 95 années mineures. Fait que c'est sûr que j'allais jamais voir cet argent-là. Et puis, leur arbitre, leur avocat qui parlait, là, c'est le père de Bertuzzi, il était tellement bon à me caler. Là. S'il aurait dit que j'étais un noir, un blanc, là, je l'aurais cru. Il était tellement bon. Et puis, moi, le gars de l'association des joueurs, c'est un gars de Boston, il était pas bon. C'est fait manger. Ah, c'est fait manger. Je l'ai rencontré la veille, le soir. Il me dit, hey Claude, prends 50 000 et puis on va se trouver une autre équipe. Fait que c'est ça qui est arrivé à la fin. Fait que Lou, il m'a donné 50 000 et puis là, j'ai signé avec les Flyers. Puis les Flyers, c'était ramassé dans la Ligue américaine aussi? Ouais, je sais pas. C'est, encore une fois, je signe quand il n'y a pas de coach. C'est ça, il n'y avait pas de coach non plus. Et puis c'est le même genre de coach qui est arrivé. T'as-tu eu le temps d'avoir des impressions d'Eric Lindros, Mark Recchi, Rod Brown? Ouais, Mark Recchi était correct avec moi. Dave Brown, il était avec moi tout le temps. Je pense que j'avais des plans, c'était pas que je joue. Mm-hmm. J'allais jouer avec Brown et Dave Tippett. Ouais. Et puis, je sais pas, ça a changé. Je sais pas ce qui est arrivé. Puis, toi, t'es un gars de Québec, tu sais, avec toute l'affaire de Lindros, t'en as-tu parlé à Eric? On n'a pas parlé. On a été jouer au golf une fois, là. On lui avait donné des bâtons de golf, la compagnie Powerbuilt. Okay. Et puis, on jouait au golf. C'était moi et Marc Recchi contre Brown puis Eric. Je pense qu'il a envoyé tous ses bâtons dans les arbres. Et puis, il a besoin d'un driver avec 2 trous à faire. Il me demande si je peux emprunter mon driver. Je pensais qu'il allait... Il y avait de la misère. Oui, en anglais, on appelle ça « entitlement ». Tu as eu des gros chiffres dans la Ligue américaine. Tu avais même des saisons « over point per game » dans la Ligue américaine. Tu as joué dans la Ligue nationale majoritairement avec les Devils, mais tu n'as pas plus joué que ça. J'aurais cru avec tes chiffres dans la Ligue américaine. Quand ça se fait avec la carrière, le talent que tu avais, tu n'as pas plus joué dans la Ligue nationale. Oui, le problème avec New Jersey, c'est qu'il y avait beaucoup de gars sur un « one way ». Mm-hmm. Les one-way. Les contrats Ligue nationale. Contrats nationale. Ouais. Quand il y avait des blessures, il me rappelait, mais il y avait des réguliers qui étaient dans les estrades parce qu'ils ne pouvaient pas les envoyer dans les mineurs. Mm-hmm. S'ils les envoyaient dans les mineurs, il fallait qu'ils leur payent 300 000, basé sur 300 000, ou bien ils allaient se faire ramasser sur les waivers. Fait que j'allais en haut, en bas, en bas, en haut, en bas. Puis, tu sais, à chaque fois que je suis rappelé, je joue juste les 2 premières lignes. Puis, c'était un des problèmes à l'époque. Et puis, après, il y a eu un coach que
Les trois coachs que j'ai eu que vraiment, là, quand j'y repense, j'avais aucune chance. C'est l'éducation, leur culture, de ce qui venait, puis... Le fait que tu étais noir, jouais-tu dans Balance? Bon, je sais pas, ben, peut-être. Ben, comme je t'ai dit, là, noir, francophone, il vient de la Ligue du Québec. La Ligue du Québec, si tu t'appelais pas Mario Lemieux, là, il voulait rien savoir, quasiment. C'était un anglo. Mais c'est pour ça que je serais étonné, mettons, que t'as pas eu, mettons, un appel des Nordiques? Ou... Ah, je sais que il essayait, dans le temps que Pierre Pagé était là, je pense, il essayait de m'avoir, puis... Lou, il demandait tout le temps la lune. Il demandait Joe Sakic pour moi, tu sais. Oui, ben oui. Minnesota, il était super intéressé. Quand j'étais agent libre avant l'arbitrage, il voulait me signer, mais il voulait se débarrasser de joueurs. Et puis, Bob Gainey, il demande à Lou quel joueur que t'aimerais. Il dit Brian Bellows. Toutes les meilleurs joueurs. Tu sais. C'est une joke. Non, c'est même pas une joke parce que Brandon Shannon a signé comme agent libre à Saint-Louis. Fait que la compensation, c'est des choix au pêchage. Fait que lui, il dit, je veux pas de choix au pêchage, je veux un joueur. Fait que Prof Caron, je pense que Prof Caron, il demande qui tu veux. Il dit Scott Stevens. Puis là, il est parti à rien. Fait qu'ils ont été en arbitrage, puis il a gagné. Ouais, c'est comme ça que ça avait. Mais ça, c'était une autre époque où quand tu perdais des agents libres, il fallait que tu sois compensé. Ouais. Ça, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ouais, c'est comme ça aussi. Mais pas pour des agents libres. Sans... Il y a deux sortes d'agents libres. Toi, tu veux dire avec restriction. Avec restriction. OK, fait que Scott Stevens, c'était avec restriction. Non, Scott Stevens, lui, il venait juste de signer un gros contrat. Il était en train de construire une mansion à Saint-Louis. À Saint-Louis. Puis Shannon, ils ont signé Shannon aussi. Ah, c'est que Shannon était avec restriction. Avec nous autres. Oui, il était avec nous autres. Il y avait encore, vous aviez ses droits. Ses droits. OK, c'est ça, il n'était pas seul. Il a signé, fait que là, il voulait compensation. Puis lui, il demandait à Steven, d'habitude, c'est trois choix. Oui, ça ne marche plus comme ça. Là. Ouais. Tu peux pas avoir des joueurs maintenant, c'est des choix. Ouais, tu peux, ça dépend. Ça dépend si tu négocies. Bien, c'est parce que maintenant, c'est comme ça marche par salaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire puis, en haut d'un quatre choix de première. Deux, trois, quatre exact. Choix de première. Ouais, ouais. Et puis, est-ce Scott Steven était à côté de moi toute l'année, puis j'ai jamais vu un gars qui était si fâché que ça. Il mâchait sa gomme, là. J'étais sûr, là, c'était. Je regardais pas, là. Je pensais que j'avais un alligator à côté de moi. qui mâchait. Comment qu'il était enragé? Ah, il était pas content. Mais là, il a gagné trois coupes, il est meilleur ami avec Lou. Puis, Hall of Famer, j'imagine. Je sais pas si c'est au Hall of Fame, mais en tout cas, il a eu une carrière popée. Ouais. Yeah. Puis bien des commotions à beaucoup de joueurs. Ben, il faisait la même chose dans les pratiques. Les pratiques avec ses coéquipiers? Ah oui, il fallait que tu aies ta tête en l'air. Et puis, à la fin des pratiques, il demandait sans coach, puis moi, de faire des drills dans les coins. J'étais un des seuls qui pouvait, semblait qu'il pouvait faire des tournées secs ou bien glisser le long de la bande dans les coins ou bien... Ou bien, on appelle ça reverse hit. C'est-à-dire le frapper quand toi, tu as la rondelle. C'est ça. Fait que là, on partait devant le filet. Le coach envoyait pas dans le coin, puis lui, il venait me chercher. Puis moi, il fallait que j'essayais d'aller au filet. Puis lui, il me cross-checkait, il me frappait. J'avais des bleus, là, à la fin. Puis là, quand j'allais devant le filet, là, le coach, il prenait des shoots, trois, quatre shoots. Puis lui, il me donnait des cross-checks, des vrais cross-checks. Puis là, on recommençait. Chaque pratique, c'était de même. Ça, c'est ton coéquipier. Oui, c'est ça. C'est mon coéquipier. Puis, puis quand je passais, là, il était pas content. Puis le coup d'après, il était fâché. Puis après ça, good job, Claudie. Puis on s'en va. On recommence demain. Puis si toi, est-ce que toi, tu le cross-checkais en retour? Ben non, c'est moi qui avais le puck. C'était moi le guinea pig. Là. C'était moi le. Il avait besoin d'un target. C'était moi. Oui. Tu as été joué en Europe après, tu as une belle carrière en Europe. Tu as joué beaucoup en Suisse. Oui. Puis j'avais vu un petit reportage là-dessus, justement, je voulais t'entendre parler, mais tu as parlé on a parlé de racisme dans différentes ligues, mais tu dis que la Suisse, c'était spectaculaire. Tu as vécu même des incidents précis, là. Un impliquant une banane, ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Wayne Simmons, d'ailleurs. Raconte-moi ça un peu. Une banane? Je pense qu'il y en a plusieurs. Ah oui, parce que ça, c'est arrivé plus qu'une fois. Ah, oh, c'est tout le temps. Ben voyons donc. Raconte-moi un peu. Oui, une sorte d'incident. Puis moi, quand j'étais là-bas, là, comme je t'ai dit, là, depuis mon premier match junior, il n'y a plus rien qui allait
m'empêcher de faire ce que je voulais faire. Mm-hmm. Si on me traite de sur la route de, en Europe, là, les monkey noise, les sons de singes, c'était tout le temps. C'était tout le temps. Ça, j'embarque un warm-up, n'importe quoi. Ça arrivait. Puis une fois, on jouait contre une équipe Langnau, je suis un face-off, puis je reçois l'autre équipe, leurs fans sur le bord de la glace, et puis je reçois une banane sur le côté de la face. Ça à tête. Ça à tête, ouais. Et puis le linesman, il vient prendre juge de la ligne, banane, ouais. Le juge de ligne, là, je ramasse la banane, je commence à la manger. C'est avant que je fasse le face-up. Là, tout le monde est rit, puis les fans sont contents, nos fans, et puis puis les joueurs de l'autre équipe, là, j'ai eu quand même une espèce de respect là, pour la façon que moi, je me comportais quand j'étais en Suisse. Mm-hmm. Là, puis là, je vois que le focus était parti de tout le monde, que l'arbitre drop le puck. Moi, je le pousse par l'avant, je vais compter un but. J'utilisais tout. Moi, je restais focus. Mais partout ce que j'allais, banane ici, banane là, j'étais à Frankfurt, on jouait contre Berlin-Est, Eisbären Berlin. Et puis après chaque match qu'on gagnait, on allait saluer nos partisans, à faire la vague. Et puis quand c'était un bon match, ils nous rappelaient. Puis quand on retournait, ben on emmenait nos enfants. Puis moi, j'avais ma plus jeune qui est de la joueuse de hockey. Puis on passait le long des baies vitrées qui étaient plus basses dans le temps. Et puis ma fille faisait high five. Puis d'un coup, il y a un gars qui donnait une banane. C'était un néo-nati néo-nati parce qu'il est habillé comme un néo-nati. Là. Une petite jaquette noire, les grosses bottes de combat. Et puis chauffe. Puis il lance ça, elle le prend. Puis c'est la première fois dans ma vie que je voulais sauter dans les estrades. Enlever mes patins comme Milbury. Mm-hmm. Puis là. Oui, avec le smack. Oui, c'est ça. Mais. Là, c'est avec ta fille, c'est encore. Ah ouais, ça m'a. C'est comme... Ça, là, ça, c'est une des rares fois que je réagissais. Mais comme je te dis, c'est comme ça. J'ai joué 3 ans dans une petite ville quand je suis arrivé en Suisse. Biel? Non, c'était Herisau. Okay. Après jouer à Hershey, là, je voulais aller en Europe, mais c'était le lockout, et puis tous les pros allaient jouer. Parce que c'était juste, tous les pros de la Ligue nationale, ils allaient jouer, mais c'était juste trouver un endroit. 94, 95. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai été une petite ville. Et puis, une équipe qui était au nord, Landau, c'était leur étranger avec un autre gars. Puis, gardien de but, c'est un de mes meilleurs amis ici à Calgary, Peter Martin. Et puis, cette équipe-là, c'était 20 minutes de ce qu'on est. C'était une bien meilleure équipe. Et puis à chaque fois qu'on allait jouer là, puis eux, ce qu'il y a en Europe, t'as contre les étrangers, ils mettent un défenseur, leur meilleur défenseur, et puis un joueur de centre ou bien un ailier qui est ils appellent les import killers, ça veut dire ceux qui jouent seulement contre les import. Parce que, tu sais, on veut pas leur donner une chance. Fait que, moi, il y en a un qui me suivait tout le temps, il m'appelait chimpanzé. Puis, à chaque fois que je me battais avec le puck avec un gars, lui, il venait me frapper. Je pense que j'étais assez gros parce que j'aurais été blessé. Puis, pendant 3 ans, on se faisait laver là-bas. 9-0, 10-0. C'est que, finalement, on a gagné un championnat. Ils ont surpris tout le monde une année. Ça. On a gagné la Ligue, puis c'est la plus grosse, une des plus grosses surprises du hockey suisse. Hein. Mais là, j'ai été joué en Allemagne 2 ans. Puis là, je suis retourné à Biel. Et puis, premier match qu'on a été joué dans cette arena-là, l'équipe n'était plus aussi bonne. Puis, j'ai dit, oh. Fait que rien s'était passé. Fait que juste avant Noël, un journaliste chez nous, il voulait que me mette un micro. Alors, on jouait un match à la maison contre une équipe de Zurich, je pense. Puis il voulait voir comment moi je me comportais avec, tu sais, en parlant en allemand, en parlant en français, parce que Bill c'est bilingue. Et puis il y en a qui parlaient seulement allemand, puis d'autres seulement français. Puis le leadership. Puis après le match, le micro n'a pas marché. Fait qu'il dit, on fait ça une autre fois. Fait qu'une semaine après, on va jouer à l'aréna parce que j'ai tous mes problèmes. Puis là, après le réchauffement, il vient me voir, il dit, hey, je vais mettre le micro. J'ai dit, un micro ici, je sais pas. Et puis, j'ai dit, OK. C'est la dernière fois qu'on était ici, rien que s'est passé.
J'arrive, je monte sur la glace. Il y avait une banane gonflée de ligne bleue à ligne bleue avec mon nom dessus. Il dit, oh non. Les bananes sont lancées à moi. Puis on a bien joué. Il fallait qu'eux autres ils gagnent pour faire les playoffs. Mm-hmm. Là, je travaillais fort. Je voulais aller sortir des playoffs. Mm-hmm. Et puis finalement, on a gagné. Mais là, les fans, ils perdaient la boule. Puis finalement, moi, je suis rentré dans le vestiaire. Puis encore une fois, je pouvais pas respirer. J'essaie de rester calme. Et puis le journaliste est venu. Il a pris mon micro. J'ai oublié que je l'avais. Le lendemain matin, je me réveille. Mon téléphone, j'ai à peu près 21 messages. Et puis, il dit, Claude, check le journal. J'ai été voir le journal, puis il y avait 21 pages juste qui parlaient de tout ça, des photos. Puis, aux nouvelles, on peut entendre les gars m'appeler chimpanzés, les fans, t'entends de tout. Fait. Et puis, j'ai été, et puis la ligue, elle avait des... quasiment la police montée qui me suivait partout ce que j'allais jouer. Et puis, il y a eu beaucoup de suspensions sur cette équipe-là. Mais, tu sais, c'est... mais la Ligue, là, tous les incidents avant, les bandes, eux, ils prenaient pas action là-dessus. Ben, cet incident-là, ils ont pris action. Ben, parce qu'il y avait des preuves. Mais ben, oui, c'est ça le problème. Puis, C'est juste quand il y a un Kodak que ça compte. Ben, c'est ça. Ben, en ce moment aussi, c'est la même chose. C'est terrible. Ben oui, c'est comme ça. Si, mettons, ça, c'est l'équipe à dire, mais mettons, tes coéquipiers, les gens en général, comment tu sentais? Tu me demandais si mes parents savaient, mais mes coéquipiers, là, personne n'a jamais rien dit. Personne. Quand ils disaient quelque chose, he's an idiot, suck it up, Claude. He's an idiot. C'est un idiot. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai. Est-ce que tu te sentais seul là-dedans? Je me sentais seul, mais je commençais à t'habituer. Alors, si je veux jouer un jour de hockey, je pense que ma couleur n'allait pas changer, puis les gens n'allaient pas changer du jour au lendemain. Puis... Est-ce que tu as déjà senti que des coéquipiers ou des gens dans ton entourage qui n'étaient pas noirs sont venus te supporter? Oui, il y en a, oui. Mais pendant... tu sais ce qui est arrivé? Floyd, là, à Minnesota, ouais. Là, qui est mort. J'ai jamais eu autant de messages sur Facebook ou Messenger. Il y a beaucoup de Québécois qui m'ont appelé, qui voulaient me parler, que j'avais joué contre Bantam. Mm-hmm. Des fois, je me souviens même pas qui était, puis ils voulaient s'excuser. Ils disaient, OK, c'est du passé. Puis, des coéquipiers qui m'appelaient, qui étaient des bons amis sur moi, sur les équipes, qui voulaient savoir si... Il m'avait pas supporté, il se sentait mal et il avait pas réalisé que. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai jamais montré que ça m'affectait, même si qu'à l'intérieur ça m'affectait. Mm-hmm. Quand on parle de. Mettons, toi, tu as grandi au Québec, tu as joué aux États-Unis, tu as joué au Canada, tu as joué en Suisse, tu as joué en Allemagne. On parle de racisme à travers tous ces pays-là différents. Je ne vais pas les classer, mais je veux dire, pour toi, c'était quoi les différences entre tous les endroits où tu as joué? Je pense qu'en Suisse, c'était un peu plus l'ignorance. C'est comme ça recommencer à zéro. Juste pour te dire, je ne pouvais pas trouver une équipe pour les jouer en Suisse. Moi, j'aurais toujours voulu jouer à Genève et Lausanne. Ça aurait été parfait pour mes filles, pour apprendre le français, choses comme ça. Puis, Herisau, la ville, c'était entre moi et puis... Ils n'avaient pas les moyens d'avoir les joueurs de la Ligue nationale qui arrivaient. C'était entre moi et un gars de la East Coast League. Puis mon agent, lui, il comprenait pas pourquoi il voulait il voulait pas me signer. C'était évident, tu sais. J'étais le meilleur joueur. Je venais juste de jouer de la Ligue nationale. Et puis, finalement, ils m'ont signé. Et puis, j'ai passé 3 ans là. Personne ne me parlait la première année. J'allais à la coop. Et puis, il me disait le prix de l'épicerie, puis je comprenais pas ce qu'il disait. Alors, je donnais un billet de 100, puis j'avais du temps de tas de change dans mes poches. Je connaissais pas. Puis, mon banquier, j'allais déposer mon chèque, ou bien. Et puis, il me parlait super vite en allemand, et puis, fini. Et puis, personne me parlait, puis les gens me regardaient pas. Puis, c'était une petite ville, 14 000, et puis. Et puis, j'ai passé 3 ans là, ça a bien été, mais les gens ne me parlaient pas vraiment. Et puis, la dernière année, c'est l'année qu'on a eu la grosse surprise, là, avec les... Et puis, Vous avez on a gagné, puis...
Et puis j'avais annoncé que j'allais jouer à Frankfurt avant la finale. Et puis il y avait beaucoup de fans dans le bar où on était après un match. Quand on a battu justement l'équipe que je te parle. Ouais. Et puis les fans étaient contents, tout ça. Là, et puis ils me regardaient, tu sais. Et puis d'autres joueurs arrivaient. Là, 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 et puis, tu sais. Et puis, à chaque fois que je vois bien, c'est sûr que c'est Claude Villegrain, là, 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 là. C'est comme ils font. Hein. Et puis, sur le ticker, là, il y avait. C'était une espèce de SCM ticker, là. Et puis, Claude Villegrain a signé avec Frankfurt. Mais j'avais déjà signé avec Frankfurt il y a un mois. Donc, j'avais pas vu ça. Et puis, là, tout le monde, non! En allemand, il dit, nein, nein! Et puis, les gens venaient, ils me parlaient. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis, mon teammate et mon équipier, il me dit, ouais, ils viennent de voir sur le ticker, tu vas signer en Allemagne. Puis il y en a qui pleuraient. Puis, qu'est-ce qui se passe ici? On s'est content de se débarrasser de moi. Ouais. Et puis là, on joue la finale, puis on a gagné en plus. Il y avait une espèce de banquet, et puis là, les joueurs allaient sur le stage, l'estrade, et puis chacun parlait, et puis il y avait une auction. Et puis mon équipement, là, mes gants, 1500 Suisses francs, mon casque, 2000, mes gilets, 5000 chaque. Tout était à l'encan. Tout vendait, et puis là, hey, c'est quoi, là? Fait qu'à la fin, j'ai été chercher des choses, l'épicerie, avec ma fille. Et puis... la femme qui, 3 ans, m'a jamais regardé, elle parlait parfait en français. Et puis, elle avait les larmes aux yeux. Puis, elle avait des petites montres suisses pour mes filles qu'elle m'a données. Oh, OK. Et puis, je parlais français. 3 ans, elle me casse la tête pour essayer. Yeah, les gens, ils t'adorent ici. Puis, les femmes, ils disent, c'est ça, les gens t'adorent ici. Pourquoi tu pars? Et puis, elle pleurait. Puis, elle parlait parfait français. Fait que là, je vais à ma banque. Et puis... il est larme encore, mon banquier, puis il me donne une espèce de souvenir, une cloche pour les vaches, en souvenir, et puis il parle parfait anglais. Il a les larmes aux yeux. Il dit, il revenait pas. Puis je demande à la femme du président, c'est quoi ça? Oh, les fans, ils ont toujours aimé. Les femmes t'ont aimé la première journée que tu as été acheter des couches avec ta fille, parce que les Suisses vont pas, les hommes, ils vont pas acheter des couches. C'était plus old school comme ouais, société. C'est ça. Et puis, moi, j'ai dit... Et puis, il y a 6 ans, le manager, il est venu à Calgary et puis voir quelqu'un. Et puis, il voulait me voir, prendre un verre avec moi. Et puis, il était content de me voir. Et puis, il me disait, tu étais le meilleur étranger qu'on a jamais eu. Tu faisais tout ce qu'on te demandait. Tu vendais des sapins à la pluie en décembre, les sapins de Noël. Tu n'as jamais dit un mot. Oui, mais pourquoi c'était très dur pour me signer? Il dit, oh, on voulait te signer, mais il fallait qu'on passe ça devant les fans et puis les sponsors. Et puis, il fallait qu'ils décident si ils voulaient toi ou l'autre. Et puis... Tout passe par des votes en Suisse. Et puis 51-49, c'est passé qu'ils pouvaient me signer. Ça a été quand même serré jusqu'à la fin. C'est, ouais. Mais je ne savais pas que faisait ça parce que c'est ouais. Pour des gens. On ne veut pas noir ici. Tout, ouais. Et puis cette année-là, quand je suis arrivé, là, il y avait un vote pour dans la région pour donner droit aux femmes de voter vote municipal. Et puis ça a passé quelque chose comme 53. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Dans ce petit canton, dans l'endroit-là. Voyons là. Et puis, tu avais un autre... Tu parles des années 90, là. Ben oui, un autre vote que c'était... Parce que moi, quand je suis arrivé, je voyais la photo, une grosse pancarte à l'arrêt de train. Et puis, c'était la photo de notre président, qui est un banquier. Et puis, un gros paragraphe. Puis, je lui demande, c'est quoi ça? Oh, il cale le président parce qu'il n'a pas donné une hypothèque. Et puis, il traitait toutes sortes de noms. Puis, tu avais le droit de faire ça. Tabarouette. Et puis, tu avais le droit de dire si c'est un. Fait que là, s'il y a un vote qui est passé de justesse, mm-hmm. que personne n'a plus le droit de faire ça. Tabarouette.
c'est une autre époque. je suis sans mots. Il y a une couple d'années, Willie O'Ree a été intronisé au Temple de la renommée du hockey. On a même reçu au podcast la fille qui a fait le documentaire sur lui, qui est une fille de Montréal. C'est un bon documentaire, je dirais. Oui, qui est une fille de Montréal qui habite à New York. Et Willie O'Ree, c'est un nom que beaucoup de gens ne connaissaient pas avant qu'il y ait le documentaire, avant qu'il soit intronisé. Est-ce que toi, tu le connaissais, Willie O'Ree? Moi, j'arrivais de Charlebourg, là, je connais. Comme je t'ai dit, mon idole, c'est Guy Lafleur, puis j'ai Val James, c'était le seul noir que j'avais vu. Mais la première fois que j'ai rencontré Willie O'Ree, il est venu ici à Calgary, puis j'ai écouté son histoire, puis je connaissais... Son histoire, c'était un peu comme la mienne, dans le fond, mais différentes époques. Tu t'identifiais beaucoup à son histoire? Mais oui. Il est marié une femme blanche, puis beaucoup de ses amis, c'était des blancs aussi. Puis... Fait que c'est lui qui m'a fait... rentrer dans un programme de diversité d'Agne nationale quand j'ai pris ma retraite en 2002. Et puis, juste avant qu'il aille dans le Temple de la renommée, ben, ils m'ont fait venir à New York. Il y avait une réception. Je me rencontrais, j'étais là avec Piquet, était là, Anson Carter, David Amber, pour Hockey Canada. Puis, ça, c'était. Il y a tout un mouvement. Moi, j'étais au repêchage à Nashville, puis j'ai croisé Georges Larac, qui est venu au podcast, je pense, l'épisode 2, il y a 8 ans. Puis il y avait... Lui, il était là pour l'événement. Puis il y a comme une nouvelle association. Une nouvelle chose avec l'Agne nationale. Exact, c'est ça. Mais je sais que Evander Kane est parti de ça. Il y en avait plusieurs. Il y en a un qui a commencé pendant la pandémie, là, dans le temps qu'il y avait Black Lives Matter. Ouais. Il y avait tous ces gars-là, Evander Kane, tout ça. Et puis, ça a de la misère à partir parce que la façon qu'ils s'y prenaient, ils voulaient avoir de l'argent national. L'Agne nationale travaille avec un autre groupe. Je sais pas encore les détails, mais moi, quand j'étais à New York au mois d'avril, je travaillais un peu avec Kim Davis, qui est en charge de Hockey Diversity pour l'Agne nationale, puis ils nous montraient leur plan pour la fondation. Fait que je les ai appelés, leur demandé est-ce que vous êtes en relation avec ça, puis c'est comme si c'est séparé. C'est la seule chose que moi j'ai un peu de misère avec, c'est que c'est. T'as besoin d'être quasiment d'être dans l'Agne nationale en ce moment. Willie O'Ree, c'est parce que l'histoire est sortie, mais entre Willie O'Ree et les Piquet Subans du monde, il y a un groupe là que je suis parti de ça, c'est les gens que nous autres fallait qu'en anglais on dit look the other way. Nous autres on l'a pas eu facile, faire comme si de rien n'était. C'est comme si de rien n'était, mais puis là ils ont besoin des piques. Je suppose qu'ils ont besoin des noms pour faire quelque chose. Mm-hmm. Je peux comprendre ça, mais... Mais dans le sens que tu n'es pas impliqué, ils ne t'ont pas demandé ton implication? Moi, il y a ça aussi. Ils font quelque chose, c'est bien. C'est bien. Mais tu sais, c'est des gars qui font 5-6 millions par année. Mm-hmm. Tu sais, ils n'ont pas passé un arbitrage comme j'ai passé. Des joueurs, quand que je vais à New York pour le tournoi de charité pour Ice Hockey in Harlem, je parle aux gars de mon époque et puis il y en a qui ont eu la misère après. Puis, d'autres, on a des histoires qu'on peut compter. Et puis, tu sais, Piquet, son histoire, il est sûr qu'il y a des problèmes ici, puis là, tu peux pas comparer. Tu aimerais ça qu'on implique aussi tous les autres échelons? Ils ont essayé de faire ça. Ils m'ont invité, moi et Val James, en Floride. Et puis, l'équipe avec l'association des joueurs. Puis, quand je suis arrivé là, Val James ne voulait plus venir parce qu'il en avait assez de faire ça, d'essayer. Mm-hmm. Et puis, j'ai quasiment perdu mon temps parce que l'association des joueurs ne faisait rien. Ils devaient avoir toutes sortes d'activités. J'ai juste parlé à un groupe de jeunes, mais. Ça devient frustrant, tu sais. C'est un peu, parce que, tu sais, dans le fond, là, c'est la première fois que je parle une conversation avec toi comme ça, là, en dehors de février. Quand février va arriver, là, tout le monde va me demander un podcast. Et puis, quand 1er mars, mais là, personne va me parler de ça. Fait qu'il y a quelque chose qui relève presque du.
entre guillemets, de la mode. Là, de, on en parle pour se, ben, pour se faire ça, sentir comme, bien un mois par année. C'est puis... comme LGBTQ, là. Quand c'est le temps, ben, on en parle. Et puis, tu sais, ça devrait être quelque chose que tu pourras pendant toute l'année. Mm-hmm. Ben. Est-ce que tu sens que... Il y a des progrès qui sont faits. Mais il y en a des progrès. Je sais que la Ligue nationale, ils essaient. On avait la discussion quand j'étais là, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est tous des vieux qui sont là depuis 20 ans, 40 ans, mm-hmm. puis tu essaies de leur faire comprendre. Mais... Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent? Mais moi, là, mon focus, c'est beaucoup. Ben, avec Hockey Alberta, je suis sur le comité de diversité, puis choses comme ça. Mais moi, mon focus, c'est les jeunes. Parce que je reçois beaucoup d'appels, même des problèmes qu'il y a eu dans l'Est du Québec ou choses comme ça, mais surtout ici, là, des parents qui m'appellent, peux-tu parler à mon fils? Il était dans la punition. Non, et puis oui, il était dans la boîte des punitions, puis un des parents qui faisait l'horloge, le traité de sa nègre, choses comme ça. Et surtout la nouvelle génération, premièrement, ils ont pas la carapace aussi dure que la nôtre. Et puis, non, je leur parle. Et puis, là, mm-hmm. follow your dream, laisse les faire. Parce qu'il y a des bonnes personnes ici. Qu'est-ce que tu penses qui seraient les mesures à prendre? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait dans le combat contre le racisme? Okay, c'est quoi les priorités? Je pense que le temps va passer, que ça va changer parce que je suis toujours dans les arénas ici. Puis, mm-hmm. je vois des bruns, hein, que ce soit des gens du Moyen-Orient, que ce soit des hindous, choses comme ça. Il y a des noirs. Puis moi, mon équipe de hockey, j'avais toutes sortes de races. Hein. Mm-hmm. Et puis, Toi, tu l'as vu avec ta fille, mettons, ta fille a joué au hockey. Une de tes filles a joué au hockey. Ouais. Elle a joué même College, division 1, ouais. aux États-Unis, puis elle a joué. Ouais. Universitaire canadien. Est-ce que tu as vu la différence entre, mettons... Mais elle s'est fait des fois, oui, mais tu sais, des fois, elle peut passer... c'est pas super... Ah, dans super ça, foncé, ouais, non, parce que sa mère est blanche. Mais les gens savent très bien c'est qui qu'elle est, puis... Mais elle me dit tout le temps qu'elle avait à dealer avec ça, puis elle a... Elle a aussi eu à dealer avec ça. Oui, mais c'est rien de mon histoire. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens... Si elle a entendu des choses parce que les gens ne savaient pas qu'elle était noire. Je serais étonné. Ah ouais, c'est sûr que les gens ont dû se dire des propos. Hey, by the way, mon père est noir. Ah ouais. Tu sais, Jordan Harris, du Canadien de Montréal, c'est ça, là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais parce que ça. Il est métis, mais son père est noir. Ouais. Puis tu entends des choses que quelqu'un il pense qu'il se confie à son ami blanc. Ouais. Tu fais, non, c'est parce que mon père est noir. Oui, c'est ça. Il y en a qui. Mais, tu sais, c'est. Il y a bien des jeunes qui sont adoptés, puis les parents m'appellent parce qu'ils savent pas comment gérer ça. Mm-hmm. Est-ce que tu es beaucoup en contact avec les nouvelles générations de joueurs noirs? On parlait tantôt des frères Joseph. La chose que je te parlais avec Franz, là, quand on est sur Franz le BIPOC NHL Coaching Association, on est tous des noirs, là. Des noirs ou bien des asiatiques ou bien des filles. Puis. Il y a beaucoup de noirs, et puis on en parle tout le temps de tout ça. T'sais. C'est la communication qu'on a. Et puis la Ligue nationale fait ça pour nous impliquer, mm-hmm. nous impliquer plus. Et puis on a toutes sortes de choses comme des jeux logiciels gratuits. Ou bien, est-ce que quand des offres de pour des jobs. Est-ce que tu sens que ça a un impact? Est-ce que tu sens que c'est significatif? Oui, ouais, c'est bien, au moins pour donner la confiance aux gens, que, mm-hmm. les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de, surtout en Ontario, qui aimeraient être un coach, puis les portes sont fermées tout le temps. T'sais. Parce que la personne est noire? C'est toi qui devrais leur demander, parce qu'on ne le dira jamais à moi. Okay. Mais c'est essayer d'ouvrir... Tu fais une application, puis peut-être le gars il dit est-ce que je veux un coach noir pour avoir mes. Tu sais pas. Il y a beaucoup de non-dits, puis de. Ah ouais, moi, on ne le dira jamais à moi. Comme je te dis, si on me laisse aller, je ne saurais jamais pourquoi. On t'a jamais dit non, c'est parce que tu es noir. Non, ça. Il y aurait peut-être une poursuite. Ouais, c'est ça. Ça serait trop. La raison noire, elle avait jamais. Et les seules choses que j'ai entendues, on va dans une autre direction. On va. OK. C'est quoi la direction? Une phrase un peu fourre-tout. Ben oui. C'est l'hypocrisie, dans le fond, qui est le plus. Peut-être le manager, lui, il m'aime bien, mais c'est le coach. Je peux pas coacher ça. Mais...
C'est la phrase que tu te fais dire. Parlant de coaching, tu coaches encore? Oui, moi j'adore ça. T'es encore J'aurais dû commencer plus haut niveau. Je coachais une école de 18 ans, 3. Puis moi j'adore ça, j'amène beaucoup. Puis, là tu as coaché ta fille premièrement longtemps? Oui, j'avais hâte d'arrêter de coacher ma fille, parce que je coach les gars. Là. Pourquoi t'avais hâte d'arrêter? Parce que dans le temps je pouvais pas sacrer vraiment. Et puis il y avait toutes sortes de choses, les filles des fois. Mais l'affaire avec les filles c'est que ils te demandent beaucoup de questions. Quand tu dis quelque chose, ils veulent savoir pourquoi. Puis tu le... Les gars, ben, ils écoutent ce que leur père leur dit. Pas leur coach? Non, leur coach. Mais moi, j'ai dit, j'ai hâte que je puisse sacrer. Là. Tu sentais que tu devais te retenir avec les filles? Ouais, mais à la fin, j'ai un de mes amis avec qui je coachais les filles. Puis il me disait, la nouvelle génération, là, et lui, il l'a bien dit, puis c'est vrai, la nouvelle génération de gars, c'était comme coacher les filles, là. Fais attention à ce que tu dis, parce qu'il va savoir que c'est pourquoi, et puis, on dit qu'ils sont un peu mou comme la poupou de bébé. Tu trouves que les jeunes générations sont plus soft? C'est incroyable. Je pense que je sacre même plus. Ben, je suis pas un gars qui sacre. Parce que quand je sacre, là, les gens, on t'a jamais entendu sacrer. Mais, parce que t'es habitué aussi. Ouais, non, mais c'est, tu viens dis, à quoi ça sert de sacrer? C'est, botter la poubelle et puis crier comme un fou, ça sert à rien, tu sais. Moi, je focus sur les pratiques, leur donner les habiletés qu'ils ont besoin, puis expliquer pourquoi, puis montrer des vidéos, puis. T'aimes ça? Non, oh, j'adore ça. L'école où tu as coaché, est-ce-tu Edge ou... Ben, j'ai coaché à Edge un peu. IHC, c'est le dernier qui a été vendu. Parce que j'ai vu qu'il y a un jeune qui joue à Edge qui est encore un peu sous le radar, mais qui est un jeune phénomène qui va être à surveiller dans le repêchage de plusieurs années. Est-ce que ça se peut qu'il s'appelle... je veux pas dire n'importe quoi là, de il, mémoire. Il doit... C'est-tu un Dupont? Mais qui Dupont? Ben, ça. C'est-tu Dupont? Oui, mais c'est pas un noir, ça. Non. Non, je pense que Mickey, il a joué pour les... C'est il a joué pour les Flames, là, puis je le connais bien parce que je le vois souvent. Non, attends, mais moi, je parle d'un jeune actuel. Oui, c'est ça, mais son fils, il est au Edge, c'est un bon défenseur qui a été repêché au premier rond. Je pense qu'il est plus... Oui, c'est ça, c'est un... Je veux dire aboriginal, c'est quoi on dit? Autochtone? Autochtone, oui, je pense qu'il est plus de 100 autochtones. Ça se peut, parce que je sais juste que j'ai vu passer ça un moment donné. J'essayais de faire des recherches tantôt, mais le réseau rentrait pas ici. Qu'il y a un jeune joueur qui vient de Calgary, qui a joué pour Edge. Mickey, son fils est à Edge. Il y a deux fils à Edge. Ah, c'est ça. Qui a joué contre moi, U18, puis le plus jeune, il s'est fait repêcher en première ronde dans le repêchage cet été. De la WHL? Ouais. Ah, je pense que ça devrait être lui. C'est lui qui est défenseur? C'est un défenseur, oui, pas mal smooth. Mais qui fait comme je ne sais pas combien de points par... Oui, mais tu vois qu'il aurait pu quasiment jouer U18. Là, ben oui, c'est ça. Mais là, c'est lui apparemment que c'est comme un phénomène, ça se peut-tu? Ouais, ben, il était bien coaché par son père qui est un... Si tu dis Dupont, c'est de lui qu'on parle, mais... Ça doit être ça. À moins qu'il est devenu un noir pendant l'été. Non, mais moi je parlais pas de joueur noir. Je parlais juste de joueur en général. Parce que vu que tu as coaché... Ben ouais, Je me suis dit, Edge, puis là, que j'ai vu ça récemment, j'ai vu une vidéo qui disait Remember the name. C'était Dupont, puis je suis allé le regarder sur les prospects, puis j'ai vu qu'il avait joué à Edge. C'est connexion. Mickey, je vois souvent dans les arénas. Mais c'est ça, son fils, j'ai l'impression, puis je me demandais si tu avais entendu parler de ce jeune joueur apparemment fabuleux. Ben, je l'ai vu jouer souvent aussi. Qui est très, très bon. Il est chouette première ronde. Ben là, écoute, Claude, je suis en train de faire comme Jean Dupont. On achève, nous, on a fini, puis je te laissais partir. Mais deuxième podcast à Calgary après Martin et Gélina en direct. Merci vraiment. Je sais pas s'il y a des trucs dont on n'a pas parlé. Il y en a plein. Parce que on pourrait faire une série d'épisodes de 3 heures chacun. Non, c'est ça. Y a-t-il d'autres choses? Sur Netflix, on peut avoir 10 épisodes. Comme The Last Dance. Y a-t-il des trucs que tu dis, je veux vraiment qu'on parle de ça avant de. Oh non, ben, c'est pas grave. Je pense qu'on a dit beaucoup. Là. On a dit pas mal. Bon, génial. Ben, écoute, content de t'avoir rencontré, Claude. Ben, moi aussi. J'espère que tu vas te suivre avec tes. Avec mes spectacles. Mais excuse, c'est ça, je voulais parler. T'es à Québec le prochain, j'ai regardé, là. Oui, j'étais à Montréal. Ben oui, je suis à Québec le 14, t'as raison, septembre.
Juste avant qu'on commence, tu étais en train de parler que tu avais vu des shows d'humour ici. Les choses quoi? Que tu avais vu des spectacles d'humour ici. Oui, oui. Lemire. Daniel Lemire. Ça, c'est longtemps. Puis je pense que j'avais Yvon Deschamps. Je pense que c'était ici que je l'avais vu. À Calgary. Les deux à Calgary, tu avais vu ça? Oui, je pense que j'avais vu Yvon Deschamps. Puis je pense que c'est Calgary. Sinon, c'est... peut-être à Edmonton aussi, parce qu'il y a beaucoup de francophones à Edmonton. Puis quand... il faudrait confirmer ça. Mais je sais que Lemire était ici. Puis c'était comment? C'est toi qui l'avais fait venir, Daniel? Ben, c'est pas vraiment moi, c'est notre association. Puis mm-hmm. il voulait créer quelque chose, puis il était venu. Puis il y a beaucoup de Québécois dans la salle. Et puis c'était le fun, c'était drôle. Puis tu avais parlé après? On parlait après, il m'a reconnu tout de suite. Bon, moi, je sais pas qui me connaît. Qui me connaît. Dans l'Ouest, là, si je vais en Ontario, dans un hôtel, en quelque chose comme ça, là, on dirait en Ontario, on me reconnaît. Mm. Si je vais à Québec, les gens me reconnaissent tout de suite. Je suppose que les Olympiques puis tout. Mmh. Mais t'es un gars de Québec aussi. Oui, je suis un gars de Québec, c'est... Ouais, je sais que ouais, c'est ça. Mais je suis toujours surpris à mon âge. Oh, ouais. Et puis même mon père, quand il prenait un taxi en Haïti, puis je sais pas quoi qu'il parlait, Rive du Canada, puis tu sais quoi, votre nom, Villegrain. Oh, le fils, le père du joueur de hockey en Haïti. Oh, il savait. Mais non, je sais pas. Moi, j'ai. C'est toute ma carrière, là, j'étais tellement focusé à essayer de faire Ligue nationale up and down. Et puis, je me souviens de la Spengler Cup. On a joué, puis, ils allaient faire venir des jeunes universitaires. Et puis le tournoi a dit, t'es mieux d'avoir une bonne équipe, sinon vous revenez pas. Fait que la dernière minute, ils ont fait venir, mais ils ont gardé Martin Saint-Louis, puis, Jamal Mayers. Ouais, oui, lui, il est noir. Ouais, fait que Jamal, il me suivait partout comme un petit chien. Et puis là, finalement, il me dit, hey Claude, nous autres, au collège, là, quand tu jouais là, pour New Jersey, on se mettait tous ensemble, prenait une bière, puis on te regardait jouer. Finalement, il y avait quelqu'un qui nous ressemblait. Puis, et c'était la première fois que quelque chose m'arrivait de même. Puis c'était juste après que toute l'histoire que je t'ai contée avec le micro. Là. Ouais. Et puis ça, c'était la fin de ma carrière. Et puis. Quand je suis revenu, on venait juste échanger à voir Jérôme McGinley, puis il allait jouer son premier match. Et puis, il parlait de moi dans ses interviews. Puis, quand je suis débarqué de l'avion, là, j'ai acheté un billet, puis j'ai été le voir jouer. Puis, tout ça, c'est arrivé en même temps. Puis, wow. C'est la première fois que j'ai réalisé que j'avais un effet. Mm-hmm. Et puis, mon ailier gauche, c'est un adopté. Il est ivoirien qui jouait. Puis. Et puis, pendant des semaines, j'ai été interviewé, choses comme ça, quand ça m'est arrivé en Suisse. Et puis, lui, il m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un me défend. Il dit, OK. So, là, depuis ce temps-là, j'ai réalisé que j'avais un plus gros impact. Hein, puis, mm-hmm. C'est pour ça que quand je coach les jeunes, je leur dis, vous avez un impact. Que vous soyez U17, U18, là, il y a des jeunes qui vous regardent, ils veulent jouer comme vous. Ça. L'importance d'être représenté aussi dans les médias, c'est pour, pour Jamal Mayer, ça fait toute une différence. Ben oui, puis je l'ai vu au Match des Étoiles. Il fait bien à la radio. Mm-hmm. C'est super. Ouais. Merci énormément de ton temps, Claude. Ben, je te laisse retourner à la vie à Calgary. C'est ça, je pense que je vais aller voir un peu les pratiques de l'équipe junior, juste à côté. Hitman, ouais. De Calgary. Je te souhaite la meilleure des chances. Merci, Claude, encore. Ah, pas de problème. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Yes. Merci à Claude Villegrain d'être passé à Drette. Depuis le temps que je vais le recevoir, ça a été un réel plaisir. Je veux remercier tout le monde qui font de Drette, puisque c'est-à-dire Fred Levac qui fait le montage et qui a créé le jingle de Drette que vous avez dans la tête des fois. Amelia Maguire, Saint-Onge, qui est au booking, programmation, réseaux sociaux également. Hugo Reich au booking de cette magnifique saison 8. Et surtout, vous, d'être au rendez-vous semaine après semaine. Ah, le hockey. Cette passion qui borderline malsaine. OK, les amis, passez une belle semaine. Bye-bye now.